On vient de l'apprendre, un terrible accident d'avion en plein cœur de New York. Un avion s'est encastré dans une des deux tours du World Trade Center. On rejoint tout de suite notre correspondant sur place, Pierre-Alexandre. Pierre, est-ce que vous avez des détails? Écoutez, je suis en face des Twin Towers. Ce que je vois, c'est une très épaisse fumée noire. Il y a des particules de métal qui flottent dans le ciel et qui traversent l'East River. Ce que l'on sait pour l'instant, c'est qu'il s'agit d'un avion commercial qui est entré de plein fouet dans la première des deux tours jumelles. Il se trouve d'importants bureaux et d'importants sièges sociaux à l'intérieur de cette tour. Et à cette heure-ci, il est 9h du matin ici à New York, eh bien, les salariés sont déjà présents à leur bureau. On entend pour l'instant beaucoup de bruit, de sirènes, et les ambulances affluent vers les Twin Towers. Voilà ce que l'on sait pour l'instant. Oui. Est-ce qu'on a des indications sur le type de l'avion qui s'est écrasé? On sait donc, vous avez dit que c'est un avion commercial, un gros porteur? Écoutez, pour l'instant, on n'a aucune information là-dessus. Ce que l'on voit, c'est le trou dans les tours. Visiblement, c'est un gros avion, c'est un avion commercial. On en saura plus d'ici quelques instants. Il y a plusieurs aéroports autour de Manhattan? Il y a trois aéroports. Il y a l'aéroport de LaGuardia et de JFK qui se trouve à Brooklyn et l'aéroport de Newark dans le New Jersey. Et il y a un flux incessant d'avions justement à proximité des Twin Towers. Mais aujourd'hui, visiblement, pourtant la météo est excellente, il n'y a pas un nuage. On n'a pas d'explication encore sur cet accident. Mais on sait en revanche que de nombreux avions passent régulièrement au-dessus des tours jumelles. Oui, oui, il y a un flux incessant d'avions à New York de jour comme de nuit. Mais je vous dis, l'accident ne s'explique pas par des conditions météorologiques spécifiques. On devrait en savoir plus d'ici quelques minutes. Est-ce qu'on peut déjà avoir une petite idée du bilan qui risque quand même d'être très lourd? Eh bien, ce que l'on voit, c'est 4, même une dizaine d'étages de la tour en flammes. Il y a beaucoup de monde à l'intérieur à cette heure-ci. Ça risque effectivement d'être très très lourd. La fumée est véritablement très importante. Elle s'étend maintenant sur tout New York et on voit des particules brillantes dans le ciel. Il s'agit de morceaux de métal faisant sans doute partie de la tour ou de l'appareil. Nous voyons donc en direct sur ces images, là, vous voyez avec nous donc l'énorme trou dans une des tours jumelles donc du World Trade Center. Merci beaucoup Pierre-Alexandre, nous reviendrons bien sûr sur cette information à la fin de notre journal. Donc je vous rappelle donc qu'un avion, vraisemblablement un avion de commerce, est donc encastré dans une des tours jumelles du World Trade Center en plein centre de New York. Nous avons pour le moment aucune information concernant le nombre de victimes, mais le bilan risque en effet d'être lourd. Le président de la République endosse la tenue de candidat en campagne en visite pour deux jours en Bretagne. Jacques Chirac a inauguré ce matin la 15e édition du Salon de la production animale Carrefour européen à Rennes. Le président de la République en a profité pour détailler sa conception de la politique agricole pour l'avenir. Frédéric Delpech. Crise de la vache folle, effondrement des cours, charges financières trop lourdes. Ce matin, les agriculteurs ont eu l'occasion de faire part de leurs difficultés à Jacques Chirac. Le chef de l'État qui s'est voulu rassurant, je ne suis pas pessimiste, il y a des solutions, leur a-t-il dit. Mais le président de la République a aussi lancé un appel à la raison. Pour garantir la sécurité des aliments, nous devons arrêter la course à la baisse des prix. C'est une course où il n'y a que des perdants. Un Jacques Chirac qui veut concilier productivisme et respect de l'environnement, il souhaite notamment un programme d'action sur 5 ans pour résorber les pollutions d'origine agricole. Quant aux OGM, il se dit favorable à la poursuite des recherches. Ces recherches sont porteuses de nombreux espoirs. Mais je tiens à dire que les actions de destruction sauvage conduites ces dernières semaines ne sont pas admissibles et doivent être fermement condamnées. Le chef de l'État se pose aussi comme le défenseur de la politique agricole commune et il refuse une réforme avant l'échéance de 2006. Jacques Chirac enfin critique vis-à-vis de la politique du gouvernement, par exemple sur les contrats territoriaux d'exploitation. Officiellement pas encore en campagne, mais le président de la République a tout de même croisé l'un de ses futurs rivaux pour la présidentielle, Alain Madelin, venu en qualité d'élu local. Voilà, alors nous interrompons le cours de ce journal pour nous rendre directement à New York où, vous l'avez vu, donc un terrible accident d'avion vient de se produire en plein centre de New York. Un avion s'est encastré dans une des tours du World Trade Center. On rejoint tout de suite notre correspondant permanent, Ulysse Gosset. Ulysse, avez-vous des précisions sur ce terrible accident?
Eh bien écoutez, le World Trade Center vient tout d'un coup d'être secoué par une explosion et une gigantesque flamme vient de sortir de la tour qui domine New York au sud de Manhattan. Nous voyons actuellement en direct sur les images de télévision américaine ce spectacle absolument impressionnant et terrible en même temps. Les deux tours donc qui sont devant la Hudson River à New York, enrobées de fumée noire, une énorme fumée. Et un avion qui vient à nouveau, d'ailleurs, il y a quelques minutes de rentrer donc dans le World Trade Center, avec cet énorme geyser de feu autour de la deuxième tour qui se trouve sur la gauche quand on regarde vers la Statue de la Liberté. Selon les premières informations dont nous disposons, il s'agirait d'un petit commuter plane, un avion de transit entre aéroports qui aurait percuté la tour du World Trade Center. Nous ignorons encore les raisons de cet accident terrible. On ignore également s'il y avait à l'heure de l'impact beaucoup de travailleurs à l'intérieur, beaucoup d'employés à l'intérieur du World Trade Center. Pour l'instant, nous assistons à ce spectacle et toute l'Amérique a les yeux rivés devant ses télévisions en observant donc ce dramatique accident dont on ignore totalement les causes pour l'instant. Il est quelle heure à New York en ce moment, Ulysse? Il est 9h du matin, c'est l'heure de pointe, les gens commencent en fait à arriver à leur bureau dans la Big Apple et on imagine qu'il devait y avoir au moins, en tout cas, un certain nombre de services de sécurité, d'employés, de personnel qui étaient dans les deux tours prestigieuses qui, vous le savez, avaient été frappées par un attentat il y a plusieurs années. Oui, alors Pierre nous disait, donc il y a donc plusieurs aéroports autour de New York. Oui, le principal près de la ville étant l'aéroport de la Guardia où décollent et atterrissent tous les avions qui se rendent donc au cœur de la ville. Mais évidemment, la zone de Manhattan elle-même est interdite de survol rapproché. Et donc, en dehors des petits avions, on voit mal pourquoi un appareil a emprunté ces couloirs interdits, puisque bien évidemment, le survol immédiat de New York est totalement illégal et interdit par les autorités aériennes. Mmh. Et là, effectivement, on voit sur les images que la météo est bonne, donc on n'a absolument aucune indication sur les raisons de cet accident. Aucune indication, seulement cette image absolument hallucinante, donc des deux principales tours de New York en feu, entourées d'un halo de fumée immense, et donc ce crash, cet avion qui s'est engouffré au sommet de la tour, un peu après 8h30 heure locale, c'est-à-dire pour vous 14h30 heure de Paris, entre 14h30 et 15h heure de Paris. Alors selon des informations, Ulysse, on nous dit qu'il y aurait deux avions impliqués. Est-ce que vous avez des informations là-dessus? Oui, c'est ce que je vous disais, c'est qu'il y a eu un premier crash vers 8h30, un peu après 8h30, et un tout petit peu avant 9h, c'est-à-dire vers 9h-5, 9h-10, nous avons vu un autre appareil piquer là, littéralement dans la deuxième tour. Alors, évidemment, c'est difficile de savoir dans quelles circonstances a eu lieu cet impact et pourquoi, mais effectivement, d'après ce que nous savons, et encore une fois, les informations sont parcellaires, il y a eu un deuxième avion qui a heurté la deuxième tour du World Trade Center. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas seulement une tour, mais bien deux qui sont en feu, et on voit sur la tour de gauche encore les flammes qui embrase l'immeuble. Alors Pierre-Alexandre, vous êtes encore avec nous et je suppose qu'il doit y avoir beaucoup de secours là qui arrivent sur les lieux parce que les tours sont en feu. Oui, les tours sont en feu. Il y a eu effectivement une deuxième explosion très soutenue il y a quelques minutes et donc un deuxième avion dans la deuxième tour. Maintenant, toutes les ambulances affluent vers le World Trade Center. Il y a ici un vacarme énorme et il y a visiblement beaucoup de monde dans ces tours à cette heure-ci puisque les Américains commencent à travailler extrêmement tôt et qu'il est 9h du matin, c'est-à-dire que là, eh bien, l'incident est arrivé au moment où bien les tours étaient remplies de salariés. Pierre-Alexandre, est-ce que vous pouvez nous dire à nouveau qui travaille ou qui habite, un tant soit peu, dans ces tours du World Trade Center qui se trouvent donc à New York, à Manhattan? Eh bien, écoutez, dans ces tours, il y a beaucoup de sièges sociaux, notamment des grandes banques, Merrill Lynch, Goldman Sachs. Toutes les grandes banques d'affaires et d'investissement ont des bureaux dans ces tours. Donc ce sont des tours de bureaux. On est ici maintenant à 20 minutes de l'ouverture des marchés financiers. Cela veut dire que la plupart des gens qui travaillent en connexion avec les marchés financiers sont présents à cette heure-là, à l'heure où est intervenu l'incident, dans les tours. Ah Pierre, je vais vous interrompre une minute parce qu'on a en ligne une femme qui a vu l'explosion, donc une New-Yorkaise qui était sur place et qui a donc vu cette gigantesque explosion donc dans une des tours du World Trade Center. Cathy Race, elle est en ligne avec nous, on écoute tout de suite son témoignage.
Oui, est-ce que nous avons la liaison avec Cathy Race, donc ce oui. témoin? Oui, oui. Donc, allô? Oui, allô? Oui. Vous avez donc vu cette explosion? Vous étiez à New York, là, au pied de la tour, oui. quand ça a explosé? Oui, en fait, j'ai vu la deuxième explosion. La première, c'est déjà arrivé, mais j'ai bien vu la deuxième. Oui, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, ça c'était gigantesque, vous avez vu des flammes, vous avez vu l'avion qui est rentré dans la tour? Non, l'avion, on n'a pas vu, en fait, on a vu juste une explosion. Et c'était pas clair ce que c'était. Il y avait des gens qui disaient que c'était une bombe, mais là, ça a été confirmé qu'en fait, c'était un deuxième avion. Est-ce qu'il y avait beaucoup de monde dans la rue à ce moment-là? Bah, là, je peux pas vous le dire parce que je vois pas la rue d'ici. Madame Reyes, est-ce qu'on peut vous demander à quel endroit vous vous trouvez exactement, à quelle distance du World Trade Center en ce moment même? Vous êtes en direct avec nous au téléphone. Moi, je me trouve sur Madison. Donc, en fait, c'est pas à côté, mais je vois bien d'ici. Et alors, cette explosion, vous avez vu aussi l'avion qui, dit-on... Non, pas du tout. J'ai vu que l'explosion. Est-ce que les New-Yorkais sont au travail à 9h du matin? Il y a beaucoup de monde à cette heure-là? Ah oui, beaucoup. Beaucoup. Vous travaillez vous-même dans une des tours? Non, je travaille assez loin, en fait, mais je vois très bien d'ici. Alors, Madame Hayes, est-ce que actuellement la vie, je dirais, dans les avenues dans New York semble être modifiée? Est-ce que vous constatez d'ores et déjà la mobilisation de l'ensemble des secours du New York Fire Department, on imagine, les pompiers de New York et de l'ensemble de la police, peut-être même de l'armée américaine mobilisée pour une affaire sans précédent? Je rappelle que nous sommes en direct, vous le voyez, alors que peut-être un oui, ou deux avions... Oui, là, je ne vois pas du tout, parce qu'en fait, là, je me trouve dans mon bureau, donc je suis au 26e étage et je vois pas la rue d'ici, mais je peux bien imaginer. Mais je peux pas vous le dire parce que je vois rien en fait dans la rue. Merci Madame Race. Donc je vous confirme Thierry, donc il y a bien eu deux avions, puisque nos informations nous disent qu'un deuxième avion s'est donc écrasé dans la partie supérieure de l'une des deux tours du New York Trade Center, donc seulement 18 minutes après qu'un premier appareil a percuté l'autre tour. Donc c'est quand même un accident absolument effarant, puisque deux avions donc se sont encastrés dans ces tours. Ulysse Gosset, donc vous êtes encore avec nous. Vous, est-ce que vous voyez maintenant l'afflux des secours qui arrive? Qu'est-ce qu'on peut faire? Les pompiers sont sur place? Écoutez, ce que je peux vous confirmer, ce qui est le plus important et ce qui est tout à fait incroyable et même terrifiant, c'est qu'il n'y a pas eu effectivement un seul appareil un peu avant 9h, mais un deuxième, comme vous le disiez. C'est-à-dire que nous avons assisté ce matin à l'arrivée de deux avions qui se sont crashés, qui ont percuté les deux plus hautes tours de New York. Et la question évidemment que tout le monde se pose sans oser encore y répondre, c'est... S'agit-il d'avions suicides ou bien s'agit-il d'une coïncidence à laquelle personne ne croit? Et dans la mesure où les deux avions ont percuté les deux tours les plus prestigieuses de New York, qui avaient déjà été touchées par un terrible attentat, la question qui est dans tous les esprits actuellement, c'est pourquoi ces deux accidents, pourquoi ces dramatiques incidents au cœur de New York alors que New York commençait à se réveiller. Donc pour l'instant, effectivement, je crois que tout le monde essaye de gérer au mieux la situation, c'est-à-dire que la police est en état d'alerte maximum, les pompiers arrivent, mais vous imaginez bien que pour aller secourir les gens qui sont dans les tours à cette hauteur, il faut des moyens considérables, des hélicoptères, et cela va être extrêmement difficile, sans parler effectivement de tout ce que l'on peut imaginer, les retombées, les bris de verre qui ont été causées par les deux explosions. La police de New York a évidemment bouclé tout le quartier du World Trade Center, qui est très fréquenté à 7h le matin et qui se trouve au sud de Manhattan. Alors Ulysse, peut-être une autre hypothèse. En effet, on peut penser à des attentats, des avions suicides qui se seraient jetés sur ces deux tours du World Trade Center, qui étaient déjà en effet un symbole pour des terroristes islamistes. Mais une autre hypothèse possible, c'est qu'il y a un très gros trafic aérien d'aviation commerciale et d'aviation générale à New York. Alors est-ce qu'il pourrait y avoir eu aussi une erreur peut-être de l'aviation civile américaine? Écoutez, pour l'instant, l'hypothèse est évidemment à retenir. Il peut s'agir aussi d'une erreur de navigation. Et effectivement, on peut imaginer qu'il y a eu peut-être une panne de radar ou un problème dans les ordinateurs de contrôle aérien. Il faut savoir que New York est une des villes où il y a l'un des trafics les plus élevés, et notamment à l'aéroport de LaGuardia, qui, soit dit en passant, est souvent dont le trafic est souvent interrompu justement en raison de la multiplication des atterrissages et des décollages, et qu'effectivement, souvent, l'espace aérien de New York est extrêmement encombré. L'une des hypothèses, effectivement, ce pourrait être une erreur des ordinateurs ou des pilotes,
mais il est quand même très troublant de voir qu'à quelques moins de 20 minutes d'intervalle, deux avions percutent les deux plus hautes tours de New York sans que les pilotes qui, dans cette zone-là, c'est-à-dire au-dessus d'une des grandes villes américaines, sont en état d'éveil maximum et sans doute pas en pilotage automatique. Il est peu probable que ces pilotes n'aient pas pu réagir et en tout cas essayer d'éviter les deux tours. Mais pour l'instant, si vous voulez, le choc est immense ici. D'abord, l'incendie est extrêmement spectaculaire et tout le monde essaie de comprendre ce qui a pu se passer en acheminant donc les secours autour des deux tours qui font, je vous le rappelle, 110 étages. Et les deux impacts se sont produits aux trois quarts haut pour l'une des tours et pratiquement au centième étage pour la deuxième. Oui, alors, Ulysse Gosset, je voudrais vous rester avec nous, bien sûr. Je voudrais rappeler à nos téléspectateurs d'LCI que nous sommes actuellement en direct. Vous voyez ces images du World Trade Center, les deux tours de ces tours symboliques, de ces immeubles, ces buildings symboliques de New York, auraient en effet été percutés par deux avions, dont on ne sait pas s'il s'agirait donc d'un attentat suicide, d'un double attentat suicide, ou si au contraire il peut s'agir d'un accident de la circulation aérienne dans le ciel de New York. Deux tours du World Trade Center qui sont donc touchées et qui sont en flammes actuellement, comme vous le voyez. Nous sommes donc en direct. Ulysse Gosset, une information actuellement, une dépêche de l'AFP nous apprend que les salles du NYMEX auraient été évacuées au sein de ces tours du World Trade Center. Est-ce que vous pouvez nous dire de quoi il s'agit? Écoutez, il se trouve que au pied de l'immeuble du World Trade Center se trouve le quartier général de la police de New York qu'on appelle le COMSAT. Et c'est dans ce quartier général que sont rassemblées, regroupées toutes les informations concernant la criminalité à New York en temps réel par ordinateur. Donc il y a dans cet immeuble effectivement des bureaux absolument essentiels, stratégiques, très sensibles. Mais il y a surtout... Oui, on vous interrompt une minute, on rejoint tout de suite Loïc Bérou. Loïc, bonjour. Vous avez, je crois, des informations concernant donc cet accident, et notamment, il ne s'agirait pas d'un accident. Nous en sommes encore au stade des spéculations, mais nous en savons un peu plus sur le film précis des événements ce matin. D'après les témoins visuels, un premier avion s'est effectivement crashé sans dévier de sa trajectoire en se dirigeant manifestement vers la première tour du World Trade Center. Et 18 minutes plus tard, vous avez vu sans doute en direct cette extraordinaire explosion. C'est un deuxième avion qui, lui, semble-t-il, a délibérément visé la deuxième tour du World Trade Center. Donc l'hypothèse d'un accident, effectivement, est en train de perdre de son crédit ici. Ça a toutes les apparences d'un acte délibéré, d'autant plus que le FBI enquêterait sur une prise d'otage d'un avion dans un lieu non précisé quelques minutes avant l'accident. C'est tout ce que nous avons comme information pour l'instant. Est-ce que l'on a comme des informations un tant soit peu sur la nature même des appareils? Est-ce qu'il peut s'agir de petits appareils commerciaux que l'on loue assez facilement aux États-Unis ou de petits appareils d'aviation générale, des petits monomoteurs à partir desquels on peut décoller en effet sur des petits aérodromes qui sont nombreux autour de New York? Oui, tout à fait. Vous avez vu la semaine dernière l'expérience d'un Français qui était tenté d'atterrir en ULM sur la Statue de la Liberté. Il est possible dans les nombreux petits aéroports autour de New York de louer des petits avions. Mais là, en l'occurrence, l'hypothèse dont j'ai entendu parler, il s'agirait d'un DC-3 qui est un très très vieil avion. Ça me semble assez fantaisiste dans l'état actuel des choses et il faut se garder de dire des bêtises dans le show de l'actualité. Nous n'avons aucune idée pour l'instant sur la nature de l'avion, si ce n'est le fait qu'il semble que très peu de débris aient été trouvés au sol et que donc l'intégralité des deux appareils se soit enfoncée dans les profondeurs des deux tours. Bon, alors là, nous allons voir maintenant donc l'image incroyable donc du crash de l'avion qui s'est encastré dans une des tours. Donc tout de suite, c'est cette image. Donc Loïc Bérou nous disait qu'il s'agirait sans doute d'un attentat. L'image va bientôt, voilà. Alors Loïc, nous venons de rediffuser cette image... Image incroyable. Particulièrement inattendue, et les termes sont faibles bien sûr, à l'instant même donc sur notre antenne LCI. Vous êtes en direct de New York avec nos téléphones, vous êtes l'un des correspondants de TF1, nous repassons cette image, vous le voyez. Et alors il semblerait, d'après, nous allons à nouveau repasser cette image dès que nous le pourrons, d'un avion qui fonce délibérément, semble-t-il. Il est impossible pour le moment de pouvoir être affirmatif, malgré les informations que vous nous donniez, et les inquiétudes du FBI quant à une éventuelle prise d'otage
passage, notamment peut-être un équipage, dans un appareil aux alentours de New York. Donc nous venons de rediffuser ces images qui semblent corroborer ce que vous disiez, peut-être pas sur un DC-3, mais sur un appareil commercial beaucoup plus important, à réaction, ou en tout cas avec deux moteurs, beaucoup plus important simplement un monomoteur d'aviation générale qui serait dans la région. Loïc Bérou, est-ce que vous pourriez nous redonner les informations dont vous disposez, les premières informations sur les hypothèses du FBI actuellement sur ce qui serait déroulé à New York? Non, je voulais d'abord vous appeler à la prudence, d'autant plus que je me trouve à Washington et non pas à New York. Mais d'après les témoignages que nous avons, à 9h15, un premier avion en ligne droite, en vol constant, sans manifester aucun accident ni aucun moteur en feu, dans une trajectoire tout à fait rectiligne, s'est enfoncé dans la tour numéro 1, la plus grande des deux tours du World Trade Center, et 18 minutes plus tard, un second appareil, d'une manière qui semble, mais soyons prudents encore, qui semble délibérée, s'est à son tour crashé dans la deuxième tour du World Trade Center. Et il est évident que la conjonction et des temps et des circonstances fait peu penser à un accident, mais plus à un acte délibéré. De là à parler d'attentat, il faut, et l'histoire récente et l'histoire ancienne nous le rappellent, il faut encore être très prudent. Alors Loïc Bérou, il faut en effet être très prudent, mais il faut se souvenir, et c'est un peu ce que nous disait il y a quelques minutes Ulysse Gosset, en direct lui aussi des États-Unis, il faut se souvenir que ces deux tours du World Trade Center ont été attaquées de façon symbolique par des terroristes il y a quelques années. Plus que symbolique, puisqu'il s'agit du plus grand acte terroriste qui se soit produit sur le sol américain après l'attaque par Timothy McVeigh de l'immeuble fédéral à Oklahoma City. Il est évident que le World Trade Center est le symbole de la domination de la puissance américaine. Il est évident qu'il a toujours été l'objet de menaces de la part des groupes islamistes radicaux et fondamentalistes. Il est évident qu'il y a en ce moment un climat de tension extrême autour du Proche-Orient. Tout cela, ce sont des spéculations, mais qui peuvent effectivement jeter une lumière nouvelle sur cet événement. Alors, Loïc Bérou, il faut vous annoncer qu'à l'instant même, nous apprenons par l'agence Reuters que le président américain George Bush a fait savoir qu'il s'exprimerait plus tard, c'est entre guillemets, plus tard sur ces explosions du World Trade Center de New York. Une intervention qui devrait intervenir, on l'imagine, dans quelques minutes, dès que le président américain en particulier aura des informations plus précises sur ce qui s'est déroulé au World Trade Center de New York. On peut peut-être maintenant rejoindre Pierre-Alexandre. Pierre-Alexandre, vous êtes donc toujours à New York, vous êtes sur place. Qu'est-ce que vous voyez maintenant? Est-ce que les secours continuent d'arriver? Où en sont le sauvetage donc, de tous ces gens qui sont coincés, je suppose, dans les deux tours? Écoutez, je suis en face des tours, on voit la fumée noire qui s'élève, elle est extrêmement dense. Le ciel est ici extrêmement dégagé, donc la thèse, effectivement, d'un accident semble écartée. Mais ici, c'est l'émotion qui domine. On ne cherche pas tant à expliquer ce qui s'est passé qu'à se demander bien combien de personnes sont actuellement dans cette tour et comment se passe l'évacuation. On n'a pas beaucoup d'informations car bien sûr tout le quartier est bouclé. Ce que l'on voit, eh bien, ce sont des camions de pompiers, des ambulances qui affluent de tout New York vers cette zone. Et visiblement, les secours se mettent en place très très rapidement, mais il n'y a encore aucune information sur l'étendue des dégâts à l'intérieur de la tour. Oui, et concernant donc les circonstances de l'accident, est-ce que le FBI a fait une déclaration? Est-ce que la police new-yorkaise commence à donner des informations? Pour l'instant, non. Ce que l'on voit à la télévision en ce moment, ce sont les images. Il n'y a aucune explication. On attend d'en savoir plus. C'est l'émotion qui domine ici. Ce qui apparaît clair, c'est qu'effectivement, il ne peut pas s'agir d'un accident dans la mesure où l'on voit bien l'image du deuxième appareil qui s'encastre. Et c'est exactement, le point d'impact est exactement, pratiquement symétrique au premier. Et puis, il suffit de voir le ciel extrêmement dégagé pour bien comprendre que cet avion s'est volontairement encastré dans la tour. Est-ce que les deux tours sont maintenant évacuées? Ah non, sans doute pas. Ça va être sans doute très long. On voit encore des flammes, on voit encore de la fumée. Ça va être très compliqué. Vous savez, il y a beaucoup, beaucoup de monde dans ces tours. Il y a des procédures d'évacuation, mais cela va prendre encore sans doute de plusieurs heures. Alors, vous voyez en effet, je rappelle aux téléspectateurs d'LCI que nous sommes en direct avec ces images fournies par la télévision américaine de ce qui serait ou un accident ou un double attentat, suicide des appareils qui se seraient encastrés
volontairement ou non contre dans ces tours du World Trade Center, ces deux plus grands buildings de la ville de New York. Vous voyez ces images en direct, explosion puis incendie qui se propage d'étage en étage. Le sommet de l'une des deux tours est totalement noir, vous le voyez, de ces fumées. Car en effet, si ces tours qui ont été conçues il y a quelques dizaines d'années ont tout de même des procédures d'évacuation, de séparation d'une partie des étages entre eux, eh bien malgré tout, on voit bien que la propagation est actuellement en train de se réaliser avec une propagation vers le haut des édifices. Il doit être très difficile pour les pompiers de New York d'atteindre les étages et de pouvoir évacuer l'ensemble des milliers de salariés qui travaillent dans ces tours. Il y a 110 étages et que donc l'évacuation va donc prendre plusieurs heures, c'est ce que nous disait tout à l'heure Pierre-Alexandre. Et puis il est 9h du matin donc à New York, c'est l'heure d'affluence. Il y a donc beaucoup de monde à la fois dans les bureaux et à la fois donc dans les rues. Alors vous voyez à l'instant, nous venons de rediffuser l'image filmée par la télévision américaine de le premier de ces deux appareils qui s'est jeté, volontairement ou non, nous ne le savons pas encore, contre l'une de ces deux tours du World Trade Center. Pierre-Alexandre, vous êtes toujours sur place. On vient d'apprendre que la bourse de New York a été évacuée également. Oui, la bourse vient d'être évacuée. Elle ouvrira plus tard. La bourse se trouve tout près du World Trade Center. Et en plus, eh bien, il y a dans le World Trade Center de nombreuses salles de marché qui travaillent en connexion avec Wall Street. Donc c'est assez logique, eh bien, que les marchés soient à la fois différés et que l'on évacue tout le périmètre autour du World Trade Center. Bon, alors toujours aucune information donc du FBI, ces motus là, parce que là c'est vrai qu'on a quand même du mal à imaginer qu'il puisse s'agir d'un accident, deux avions qui viennent s'encastrer dans les deux tours jumelles du World Trade Center à 18 minutes d'intervalle. Il va falloir un communiqué, je suppose. Est-ce que maintenant donc la police commence à communiquer là-dessus? Non, pour l'instant il n'y a absolument rien encore. C'est l'émotion qui domine ici. La seule préoccupation des médias et des personnes qui se trouvent dans le périmètre, c'est de savoir comment vont s'organiser les secours, qui se trouvent vraiment à l'intérieur. L'explication même de l'attentat, pour l'instant, n'est pas la préoccupation majeure ici. On apprend également que les aéroports new-yorkais, donc aux alentours de New York, donc ont immédiatement été fermés. Et donc, vous le disiez tout à l'heure, Thierry, le président George Bush, qui se trouve actuellement en Floride, donc a été bien sûr informé de la catastrophe et devrait donc s'exprimer. Alors, nous allons refaire un petit point. Vous restez avec nous en ligne, Pierre-Alexandre, depuis New York. Avec un premier bilan, Thierry, je vous interromps. Donc, un premier bilan, mais qui vient de nous arriver. Il y aurait donc déjà au moins 6 morts et 1000 blessés. Évidemment, c'est un bilan plus que provisoire, puisque vous voyez sur ces images donc, qui nous arrivent en direct, les deux tours sont en flammes. Il y a encore eu une explosion. Il y a encore quelques minutes seulement. L'évacuation est en cours. Donc, les secours commencent bien sûr à affluer. Mais pour évacuer des tours de 110 étages ou une affluence, évidemment, immense règne à cette heure-là, puisqu'il est 9h du matin à New York et que, bien sûr, les gens sont arrivés au travail, ont pris leur travail dans ces bureaux. Il va falloir plusieurs heures pour évacuer et donc, pour le moment, ce bilan est encore provisoire, bien sûr, au moins 6 morts et 1000 blessés. Alors, Pierre-Alexandre, que diffusent actuellement les chaînes de télévision américaines, outre ces images? Des réactions, des informations qui viendraient du FBI? Pour l'instant, on reste focalisé sur les images. On essaye de voir ce qui peut se passer en termes d'évacuation, mais il n'y a pas de réaction des autorités, il n'y a pas d'informations plus précises. Vous savez, c'est l'émotion ici qui domine. Les flammes sont visibles, on les voit bien, et on essaye de savoir si on va arriver à limiter les dégâts, à limiter l'incendie, quels sont les étages qui sont touchés, comment se passe l'évacuation. Oui, alors Pierre, justement, Ulysse Gosset nous disait que les secours étaient très difficiles sur ce genre d'immeubles et il nous parlait d'hélicoptères dans le ciel. Alors pour le moment, on n'en voit pas. Est-ce que c'est prévu? Très peu d'hélicoptères. Il y a eu un hélicoptère qui est passé tout à l'heure, mais visiblement, tout le secteur est bouclé. Il y a des mesures, je pense, très très strictes pour éviter, pour contrôler en tout cas l'espace aérien maintenant, et cela paraît logique. Non, il n'y a pas d'hélicoptère autour de la tour. Visiblement, les flammes sont toujours là. Il y a des techniques internes pour essayer de circonscrire l'incendie, mais pas d'hélicoptère ou d'avion autour de la tour. Il faut préciser que, en effet, on peut imaginer qu'il est d'une extrême difficulté pour des hélicoptères de venir dans ce panache de fumée, quand bien même, d'ailleurs, des salariés, des personnels qui seraient dans ces immeubles auraient pu atteindre les tours même, le toit des tours du World Trade Center. Très difficile pour des hélicoptères.
Alors, Pierre-Alexandre, les chaînes de télévision américaines ne font toujours pas état des informations dont nous parlait Loïc Bérou, éventuelles du FBI, sur par exemple une prise d'otage qui serait intervenue quelques minutes avant la catastrophe, avant ces éventuels attentats, dans un aérodrome privé de la région de New York. Non, pour l'instant, ce qui est annoncé ici, c'est que deux avions sont rentrés de plein fouet dans les tours et que donc la plupart du périmètre est en train d'être évacué. C'est pour l'instant les seules informations qui sont diffusées. Il n'y a rien de précis, sinon des rumeurs sur les conditions, les explications de ce drame. Donc Pierre, je vous rappelle donc un premier bilan. Donc pour le moment, nous en sommes à 6 morts et 1000 blessés, mais c'est bien sûr un bilan tout à fait provisoire puisque vous le voyez sur ces images, il y a beaucoup de fumée et les tours donc sont en flammes. Alors, je voudrais tout de suite préciser aux téléspectateurs de LCI et de TF1, alors même que le président Bush va peut-être s'exprimer, que nous sommes en direct actuellement sur TF1 et sur la chaîne information, sur la chaîne info, pour revenir sur cette catastrophe ou cet attentat, ce double attentat suicide qui s'est produit vers 15h à peu près, heure de Paris, 9h locale à New York. Deux avions, un puis un deuxième avion, 18 minutes plus tard, sont venus percuter les deux plus grandes tours de New York, le World Trade Center, vers 9h locale heure de New York, au moment même où un grand nombre de salariés, il y a 110 étages dans ces tours, rejoignaient leur bureau au World Trade Center. Deux avions qui viennent percuter. Alors évidemment, l'hypothèse immédiatement imaginée, c'est qu'il y ait pu s'agir d'abord d'un accident, bien sûr, un accident de l'aviation civile américaine, mais aussi peut-être et sans doute d'attentat, car peu de gens pensent aujourd'hui, à l'heure qu'il est, qu'il puisse s'agir d'un accident. Voilà. Tout de suite, on va écouter le président Bush donc, qui s'exprime de Floride après donc, cette terrible catastrophe. May God bless the victims, their families, and America. Thank you very much. Voilà, donc une allocution très courte où le président Bush a présenté bien sûr ses condoléances aux familles des victimes et donc s'est montré bien sûr bouleversé et très choqué donc par cette catastrophe. Donc on vous l'a rappelé, deux avions se sont encastrés à seulement 18 minutes d'intervalle. Vous le voyez là sur ces images, donc l'avion donc qui percute la première tour jumelle du World Trade Center, mais les deux tours ont été percutées donc par deux avions à 18 minutes seulement d'intervalle, ce qui fait bien sûr penser à un attentat. Un accident évidemment paraît peu probable, Thierry, dans ces circonstances. D'autant que je rappelle par exemple les propos d'un porte-parole du National Traffic and Safety Board, c'est-à-dire une des organisations de l'aviation civile américaine, qui indiquait sur CNN « Je ne pense pas qu'il s'agisse d'un accident ». Les propos de George Bush. Voilà, George Bush, donc justement, lui a confirmé effectivement qu'il s'agissait d'un attentat. Il vient donc de s'exprimer donc, depuis la Floride et donc le président Bush confirme qu'il s'agirait d'un acte de terrorisme. Et le premier bilan, donc nous l'avions il y a quelques minutes, bien sûr, c'est un bilan tout à fait provisoire, vous vous en doutez bien, vu l'affluence qui peut régner dans ces tours à cette heure à New York. Il est pour le moment de au moins 6 morts et de 1000 blessés. Alors Pierre-Alexandre, vous êtes toujours sur place. Où en sont les secours? Est-ce que maintenant l'évacuation progresse? Est-ce que le quartier aussi des tours est en train d'être évacué ou est déjà évacué? Oh oui, l'évacuation se poursuit. On a une nouvelle information sur l'appareil qui se serait encastré dans la tour. L'un des appareils, il s'agirait d'un avion d'American Airlines, un Boeing 767. C'est une source de CNN qui cite cette information. Et bien sûr, cela reste encore à prouver. Il y a ici, en tout cas, encore beaucoup de fumée. On voit toujours des flammes. Et donc, pour l'instant, eh bien, c'est toujours l'émotion. On se demande précisément quelle va être l'étendue des dommages. Et donc, l'évacuation se poursuit. Il y a des sirènes, des camions de pompiers qui affluent vraiment de tout New York, de tous les quartiers et même du New Jersey vers Manhattan maintenant. Alors, Pierre-Alexandre, nous avons rediffusé et nous rediffusons incessamment cette image d'un appareil, en effet, qui percute la deuxième tour du World Trade Center. Et en effet, sans être un grand spécialiste, elle ressemble à l'image d'un avion commercial du type Boeing aussi. Est-ce que vous pouvez revenir, Pierre-Alexandre, si vous avez pu évidemment y assister, sur la déclaration du président américain George Bush qui a dû être diffusée, on l'imagine, sur l'ensemble des chaînes de télévision américaines? La déclaration de George Bush a été extrêmement courte, empreinte d'émotion. Le président
président a adressé un message de soutien à toutes les personnes qui se trouvaient dans la tour et aux proches de ces personnes. Le message a duré 3 ou 4 minutes et le président avait une mine grave. Il n'a pas donné d'explication plus précise. Il s'est simplement contenté d'envoyer un message de soutien. Il est vraisemblable qu'il reprendra la parole d'ici quelques minutes. Voilà, alors selon la chaîne de télévision CNBC, donc, le FBI enquêterait donc, sur la possibilité d'un détournement d'avion juste avant le drame. C'est ce que nous disait Thierry tout à l'heure Loïc Bérou. Donc ce serait peut-être une des raisons de cet acte de terrorisme. Alors je voudrais qu'on rappelle aux téléspectateurs de LCI et de TF1 qui sont avec nous en direct que nous sommes bien actuellement en direct pour commenter et assister à cette catastrophe, à ce double acte terroriste, si l'on en croit le président américain George Bush, qui s'est déroulé vers 15h heure de Paris, 9h locale, heure de New York. Deux avions qui viennent sans doute volontairement percuter les détours du World Trade Center. À cet égard, je voudrais que nous joignions en ce moment en direct Ulysse Gosset, qui est notre correspondant à Washington. Oui, écoutez, les informations dont nous disposons actuellement seraient qu'il s'agirait donc dans un premier temps d'un avion venant de Boston et allant vers Los Angeles, un Boeing 737 qui aurait été détourné et qui aurait donc été percuté sous la menace donc de terroristes à l'intérieur de l'avion, la première tour du World Trade Center vers 8h40 locale, 8h45, c'est-à-dire pour vous vers 14h40, 14h45. Et ensuite un deuxième avion, sans doute lui aussi, en tout cas du moins d'après les premières informations qui filtrent de la part des enquêteurs américains, un deuxième avion donc aurait à nouveau percuté la deuxième tour cette fois du World Trade Center. Selon les premières informations dont nous disposons, il y aurait au moins plusieurs morts, des centaines de blessés, la bourse de New York a interrompu ses activités et comme vous venez de le rappeler, le président Bush, qui n'est pas encore à Washington, vient d'indiquer qu'il allait rejoindre d'urgence la capitale des États-Unis et il a indiqué dans une déclaration qu'il vient de faire en direct qu'il pensait que ces deux incidents étaient liés apparemment à des actes de terrorisme, donc confirmant la thèse qui prévaut à l'heure qu'il est et qui du FBI, du service fédéral d'investigation, qu'il s'agirait bien de deux attentats terroristes commis à New York. Ulysse Gosset, il est peut-être bon que vous nous rappeliez à nouveau l'attentat qui a déjà été perpétré, d'une autre nature bien sûr, contre le World Trade Center il y a quelques années. Oui, car le World Trade Center est un immeuble symbole de New York, ce sont les deux plus hautes tours de la ville, et effectivement, il y a plus de 10 ans maintenant, une énorme charge explosive avait été placée donc au pied des tours, avait causé une immense déflagration et avait provoqué la mort de plusieurs personnes et plus de 1000 blessés. Cet attentat avait été revendiqué par des mouvements islamistes dénonçant l'impérialisme américain. Et donc effectivement, au jour d'aujourd'hui, il semblerait que d'autres terroristes, dont on ignore encore tout pour l'instant, aient choisi à nouveau cet immeuble symbole, ces deux immeubles symboles de New York, pour frapper l'Amérique au cœur. Ulysse Gosset, à plusieurs reprises récemment, les États-Unis ont alerté l'ensemble de leurs maisons diplomatiques, de leurs ambassades sur l'ensemble de la planète, pour qu'elles soient sur leur garde, redoutant des attentats, en particulier peut-être des proches d'Oussama Ben Laden. Est-ce que récemment, dans les derniers jours, dans les dernières heures, Washington, le Pentagone, le département d'État, ont alerté à nouveau sur des risques d'attentats aux États-Unis ou sur l'ensemble de la planète contre les intérêts américains? Oui, effectivement, il faut savoir que, en fait, cela fait déjà plusieurs mois que toutes les ambassades américaines à l'étranger sont en état d'alerte. Il faut savoir qu'il y a une espèce de lutte à mort qui a été lancée par l'un des terroristes les plus actifs contre les États-Unis, Oussama Ben Laden, et que ce personnage qui est d'origine saoudienne et qui serait réfugié en Afghanistan couvert par le régime des talibans est la principale cible des services secrets américains, qui ont mis sa tête à prix. Et selon les Américains, tous les attentats importants qui ont été commis contre les intérêts américains à travers le monde seraient, d'une façon ou d'une autre, dirigés par Oussama Ben Laden. Et donc, la question que tout le monde se pose aujourd'hui, s'agit-il à nouveau de la même filière terroriste qui a visé, donc, encore une fois, New York et les États-Unis? Merci Ulysse. Alors nous allons écouter tout de suite donc le président George W. Bush donc qui s'exprimait tout à l'heure depuis la Floride. Tout de suite donc le président Bush qui annonçait donc qu'il pouvait s'agir d'un acte de terrorisme. Aujourd'hui, nous avons eu une tragédie. Deux avions se sont écrasés contre le World Trade Center dans une apparente attaque terroriste.
J'ai parlé au vice-président, j'ai parlé au gouverneur de New York, avec le directeur du FBI. Et nous avons mis toutes les ressources du gouvernement sur cette enquête pour aider évidemment les victimes de cette attaque et pour mettre en route une enquête globale pour trouver ceux qui ont fait cet acte. Le terrorisme contre notre nation ne sera pas accepté. Et maintenant, si vous voulez bien, vous allez vous joindre à une minute de silence avec moi. Ok. Voilà, vous venez d'entendre donc le président Bush. Vincent, vous êtes avec nous. On vient d'apprendre à l'instant que le Front démocratique de libération de la Palestine revendique l'attentat de New York. Et ben vous savez, quand il y a un attentat, il y a toujours après une collection de revendications qui sont à la fois transparentes et qui sont en même temps défaunées. Alors le DLP, le Front démocratique de libération de la Palestine, ce n'est pas le FPLP. Le FPLP, dont le patron a été exécuté par les Israéliens il y a à peu près un mois de cela, dans un attentat qui était ciblé, qui s'est produit dans les territoires palestiniens. Le FPLP avait promis de se venger en organisant des attentats contre les Américains. Et dès le 28 août, on a entendu Hosni Moubarak et l'ensemble des dirigeants arabes qui étaient réunis par la Ligue arabe s'inquiéter d'une recrudescence du terrorisme. Pourquoi ? Eh bien parce que la situation au Proche-Orient est totalement bloquée et que le terrorisme, c'est ce qui se passe justement, c'est la dernière phase d'une guerre au moment où il n'y a plus aucune solution militaire sur le terrain qui puisse apparaître, ni aucune solution politique qui semble se dégager. À ce moment-là, on fait appel au terrorisme. Pendant des années, pendant 25 ans, la guerre, le conflit au Proche-Orient a été rythmé par les attentats menés par toutes sortes de groupes qui étaient téléguidés par des États sponsors, les États qui n'apparaissaient pas et qui étaient pourtant transparents. Alors nous vous interrompons parce qu'une dépêche de l'agence Reuters signale que selon la police de New York, Vincent Hervouet, il y aurait actuellement une information selon laquelle les New Yorkais, donc la police de New York, annoncerait aux New Yorkais qu'un troisième appareil, un troisième avion pourrait en effet s'approcher à nouveau du World Trade Center ou de la zone de Manhattan. Donc un troisième appareil aurait été ainsi détourné par des terroristes. Alors, il faut bien voir que dans le terrorisme, c'est de frapper. Frapper évidemment des vies humaines, mais frapper des intérêts, frapper des biens, mais aussi frapper les imaginations. Il y a une sorte de mise en scène, il y a un spectacle qui est inhérent à l'attentat terroriste, hein, et qui doit frapper d'horreur et qui doit justement jouer sur cette émotion. Je vous rappelle donc que le FPLP, le 28 août dernier, avait le secrétaire général et membre du bureau politique du FPLP, l'un des patrons du FPLP palestinien, l'ancien parti de Georges Habash, celui qui avait créé Septembre Noir, qui est responsable des attentats les plus sanglants contre les Israéliens, avait promis de frapper les intérêts américains à travers le monde. Et on sait que depuis le début de l'été, Ulysse Gosset le rappelait il y a un instant, eh bien, les forces américaines, que ce soit en Asie, que ce soit dans la péninsule arabique, sont en état d'alerte et que régulièrement, des menaces d'attentats sont proférées. Et donc, à chaque fois, il y a des situations d'alerte sur les intérêts américains, sur les ressortissants américains. On sait que la plupart des ambassades ont maintenant un dispositif de sécurité qui a été renforcé, parce que tout le monde a conscience que si jamais il s'agit bien d'attentats venant du Proche-Orient, venant de la mouvance islamiste, parce qu'il n'y a pas que le FPLP, on peut aussi parler de Ben Laden, on en parlait à l'instant, Ben Laden qui aurait lui-même, ça ferait trois en deux jours quand même, parce que Ben Laden a aussi été visiblement aussi à l'origine de l'attentat contre Massoud en Afghanistan. Alors, je voudrais rappeler aux téléspectateurs de LCI et TF1 que nous sommes actuellement en direct après ce double attentat qui a touché New York vers 15h heure de Paris, un petit peu auparavant. Deux appareils, deux avions sans doute détournés qui ont donc percuté vers 8h45 heure de New York les deux tours du World Trade Center. Vous voyez ces images actuellement des hélicoptères, sans doute de la police ou des pompiers de New York, tentent d'approcher des deux tours. Marianne Cotonoff, nous avons, je crois, en direct un témoin depuis New York. Oui, et avant juste de prendre ce témoin, je voudrais rappeler donc que la police de New York a averti les New-Yorkais qu'un troisième appareil pourrait approcher des tours, donc avec la menace encore d'un troisième attentat. Alors maintenant, nous allons donc à New York où nous prenons au téléphone un habitant de New York, un témoin. Vous avez vu donc ce qui s'est passé ? Eh bien écoutez, je n'ai pas vu le premier avion arriver dans la première tour, mais j'allais prendre mon métro pour aller à mon bureau et donc à ce moment-là, la première tour était en feu avec des flammes et de la fumée. C'était vraiment incroyable à voir. Et à ce moment-là, j'ai vu un deuxième avion, un genre de Falcon, c'était vraiment un jet qui est arrivé. Donc je me suis dit, il doit être rempli d'eau et il va essayer d'éteindre les flammes. Et en fait, pas du tout. Il est arrivé à peu près aux trois quarts de la deuxième tour. Et à ce moment-là, il y a eu un crash incroyable. Tout a volé en éclats.
On voyait encore les éclats blancs de l'avion qui volaient comme des confettis. Et à ce moment-là, la deuxième tour a pris feu et tout ça s'est embrasé. Et tous les New-Yorkais étaient en train de voir ça. Enfin, c'était vraiment incroyable. Ça faisait froid dans le dos. Et moi qui suis remonté. Vous avez fait comme j'imagine beaucoup de New-Yorkais. Vous êtes mis devant vos postes de télévision. Que diffuse actuellement la télévision américaine? Alors, à vrai dire, je suis allé à mon bureau. Là, je suis au Rockefeller Center, au 63e étage, et j'ai hâte de redescendre. Je dois vous avouer, surtout que vous venez me dire qu'il y a un troisième avion. Mais en fait, tous les New-Yorkais sont vraiment dehors, en train de regarder ça. Ils sont tous frappés de stupeur. Je vous interromps une minute, monsieur, nous reviendrons à votre témoignage, mais on va tout de suite prendre François Granger, qui est pilote de ligne. Bonjour, alors vous avez vu ce qui s'est passé, vous aussi? J'ai vu, comme vous, effectivement, le désastre, oui. Monsieur Granger, vous êtes pilote de ligne et un expert de l'aéronautique civile en France. Vous êtes missionné parfois comme expert en l'occurrence. Est-ce que l'on peut imaginer qu'il s'agisse d'un accident? Bien sûr, on sait maintenant qu'il s'agit d'actes de terrorisme. Mais comment des avions détournés, des pilotes ont-ils pu se laisser ainsi, la question est difficile bien entendu, menacer et se jeter ainsi sur le World Trade Center? Écoutez, accident, évidemment, avec deux avions à 18 minutes d'intervalle, ça paraît difficile à soutenir comme théorie. Maintenant, s'il s'agit d'un acte de terrorisme, évidemment, les pilotes, eux, ne sont pour rien là-dedans. Si vous avez un forcené qui débarque dans le poste de pilotage et qui peut même vous abattre froidement et prendre votre place, sachant que pour amener un avion sur un immeuble, n'importe qui pourrait le faire, il est évident que vous n'avez aucune réaction possible. Les pilotes de ligne sont des navigants, ce ne sont pas des paracommandos. Et il n'y a aucune arme dans le poste de pilotage pour se défendre. Côté donc de sécurité, toute manière, il n'y a pas de solution. Côté sécurité, on a quand même aussi du mal à imaginer donc que deux commandos terroristes, puisqu'il y a eu quand même deux appareils détournés, ont pu pénétrer dans les avions avec des armes pour détourner ces avions. Mais on ne sait pas encore, d'une part, si ces gens étaient armés. On ne sait pas, en plus, s'il s'agissait d'un détournement avec un équipage à bord. On ne savait pas. Pour le moment, on en est à la récolte des informations. Donc, il est difficile de faire une analyse. Alors, Monsieur Granger, pardonnez-moi de vous interrompre, mais nous avons malheureusement des informations nouvelles et des images nouvelles. Actuellement, nous sommes en direct donc sur LCI et TF1 avec ces images du Pentagone, donc le ministère de la Défense américain à Washington, qui lui-même actuellement serait en feu. Alors, nous n'avons pas beaucoup de détails, d'informations. Peut-être Ulysse Gosset ou Loïc Béroul, un de nos correspondants à Washington, serait en direct avec nous. Vous voyez cet hélicoptère, sans doute de la police de la ville, du district de Washington, le Pentagone, donc très symbolique. Le Pentagone, c'est le ministère de la Défense américain, c'est l'état-major de l'ensemble des troupes américaines, qui aurait donc été frappé, lui aussi, par la chute d'un avion peut-être. Ça, nous ne savons pas pour le moment si nous pouvons l'affirmer, bien sûr. Le Pentagone, l'état-major de la marine, l'ensemble de l'armée américaine. Oui, c'est le plus grand bâtiment au monde. C'est celui qui est le plus vaste surface en mètres carrés. C'est le cœur de la puissance américaine. Excusez-moi, Vincent Vrat, nous allons tout de suite donc rejoindre Ulysse Gosset parce que il y a eu une explosion devant le Pentagone et l'immeuble a été évacué. La Maison Blanche également est évacuée, Ulysse. Oui, effectivement, cette nouvelle qui nous vient du Pentagone, le ministère de la Défense des États-Unis qui se trouve à l'extérieur de Washington, une énorme explosion s'est produite avec un énorme nuage de fumée que l'on voit maintenant depuis la Maison Blanche, en fait. Et semble-t-il, là aussi, un appareil, peut-être un hélicoptère cette fois, se serait crashé donc sur l'aile sud du Pentagone, qui est donc le centre nerveux de la défense des États-Unis, qui aurait donc également été visé s'il s'agit bien d'un attentat. Et puis, on vient de l'apprendre, la Maison Blanche, l'aile ouest de la Maison Blanche serait en cours d'évacuation. Et par ailleurs, l'immeuble du grand journal américain USA Today serait aussi en voie d'évacuation et pourrait être également touché, dit-on, par un acte terroriste. Donc en fait, à Washington aussi, c'est l'alerte générale. Les services de sécurité ne savent plus où donner la tête. Le FBI enquête. Alors qu'à New York, comme vous le disiez, effectivement, les deux tours du World Trade Center continuent de brûler. Le quartier est évacué et l'on compte des centaines de blessés, plusieurs morts. Après donc les deux impacts de ces deux avions, dont un Boeing 737
sur la première tour du World Trade Center. Nous allons aller à Jérusalem, mais auparavant tout de même, Ulysse Gosset, l'expression ou la question est peut-être un petit peu forte, mais alors qu'il est New York touché, deux endroits qui sont occupés par des civils, mais très symboliques de l'économie américaine. Washington touché avec l'évacuation de la Maison Blanche, mais surtout cette explosion, cet incendie, peut-être la chute d'un avion sur le Pentagone, c'est-à-dire, comme vous le disiez, le centre nerveux des forces armées américaines sur l'ensemble, pour l'ensemble de cette puissance, la première puissance mondiale. Dans une certaine mesure, s'il s'agit bien du FDLP, qui semble l'avoir revendiqué, mais il faut être prudent, nous sommes dans une phase d'acte de guerre, le mot est peut-être très fort, mais il faut peut-être à cette heure-ci le prononcer, Ulysse Gosset. C'est la guerre, la guerre déclarée entre ces terroristes qui auraient donc frappé New York et Washington. Oui Ulysse, nous vous entendons. On a un petit problème peut-être. Alors nous avons une difficulté peut-être à joindre Ulysse Gosset actuellement. Vincent Hervouet qui est avec nous. On va peut-être aller à Jérusalem en effet pour rejoindre Bertrand Aguirre. Bertrand Aguirre, le FDLP, l'une des organisations palestiniennes, affirme revendiquer donc ce double ou triple attentat. Alors nous avons des difficultés aussi avec Jérusalem. Je voudrais rappeler à nos téléspectateurs que nous sommes en direct actuellement sur TF1, sur la chaîne Info bien sûr. Après ce qui n'est plus du domaine d'un scénario inimaginable, mais qui est une réalité, vers 15h heure de Paris, un petit peu plus tôt en réalité, vers 14h45, c'est-à-dire 8h45 heure de New York, une catastrophe inimaginable, deux actes de terrorisme à 18 minutes d'intervalle. Un avion a percuté le World Trade Center, l'une des deux tours. 18 minutes plus tard, un deuxième appareil percute à son tour le World Trade Center, que vous voyez actuellement à l'écran. Ça, c'est New York. Et puis, un peu plus d'une heure plus tard, c'est-à-dire vers 15h45, heure de Paris, c'est la deuxième image sur la droite de votre écran, le Pentagone, c'est-à-dire à Washington, le centre nerveux des forces armées américaines, qui à son tour est touché par une explosion dont nous ne pouvons pas vous dire à l'heure qu'il est s'il s'agit d'un autre appareil qui aurait chuté volontairement sur l'état-major des forces armées américaines, le Pentagone qui est en partie évacué d'ailleurs à l'heure qu'il est, et puis la Maison Blanche elle-même qui est évacuée alors que le président américain a parlé d'actes de terrorisme, d'attaques terroristes, dans une déclaration faite aux télé américaines depuis, je crois, Vincent Hervouet, la Californie. Alors revenons peut-être sur cette revendication, vous disiez qu'il fallait être très prudent. Dans tous les cas, nous sommes dans une situation, à l'heure qu'il est, exceptionnelle, sans précédent, et dans l'histoire des États-Unis et dans l'histoire de la planète. C'est un scénario de film catastrophe, si vous voulez. On a l'impression que depuis 30 ans, depuis que le terrorisme est devenu l'une des armes des nations les plus faibles, des groupes les plus radicaux, mais ceux qui n'avaient pas accès à la bombe atomique, c'est la bombe atomique du pauvre, le terrorisme. Depuis donc 25 ans qu'on glose, qu'on spécule sur le terrorisme, on a vu toutes sortes de scénarios catastrophe qui mettait justement au défi l'Amérique de résister à une attaque spectaculaire menée ainsi contre les symboles même de la puissance américaine. Le Pentagone, le World Trade Center, la Maison Blanche, c'est un scénario de film catastrophe. Alors ce qu'il faut voir, c'est qu'effectivement, il y a depuis plusieurs mois des menaces contre les intérêts américains qui ont été prises au sérieux suffisamment par le Pentagone, par le département d'État, pour que effectivement les forces américaines déployées à travers le monde soient mises en état d'alerte et qu'on les appelle à... C'est un avis de prudence mondiale qui avait été le dernier qui avait été énoncé donc au début de l'été par les départements d'État américains. Ce qu'il faut voir, c'est que depuis le mois de juin, on a entendu Hosni Moubarak expliquer aux Américains que l'aggravation de la situation et l'impasse dans laquelle on se trouve au Proche-Orient ne pouvait risquer de dégénérer dans des actions terroristes. Il l'a dit publiquement, il l'a dit. Il l'a répété à de multiples reprises dans les tête-à-tête. Et il a finalement dit publiquement, ça c'était fin juin, en expliquant, on peut le citer, que les États-Unis ne peuvent pas, si on ne trouve pas une solution à la violence, cette violence se transformera en terroriste. C'est ce qu'a dit donc, ce qu'avait prévenu Hosni Moubarak. Aujourd'hui, on a la revendication du FDLP, petite organisation palestinienne, qui a de nombreux attentats à son actif, mais qui était en sommeil, qui a fait un acte de bravoure et un acte d'héroïsme à leurs yeux en attaquant les Israéliens au sud de la bande de Gaza et en tuant 3 soldats israéliens il y a de cela quelques semaines. On n'imagine pas que le FDLP ait la capacité quand même à organiser des attentats en série aussi graves. Est-ce qu'on peut imaginer aussi que l'ensemble des autorités palestiniennes puissent, ayant été informées ou non,
participer dans une certaine mesure à une affaire de la sorte, à de telles opérations, et c'est l'ensemble du processus actuellement en cours difficile. Le processus de paix, il n'y a plus de processus pour l'instant, tout est gelé, c'est pas la rencontre entre Pérez et Arafat derrière laquelle on court depuis une semaine qui risque de débloquer les choses. Il n'y a plus de logique politique dans cette affaire. Il y a en revanche un rapport de force qui est de plus en plus dur, il y a des ennemis des États-Unis qui enrôlent à tour de bras tous les pays arabes, dans les pays arabes et notamment dans les mouvements islamistes, on est persuadé que ce qui se passe en Israël, c'est d'abord la faute des États-Unis, qu'Israël n'existerait pas sans le soutien des Américains. Donc que c'est les Américains qu'il faut viser, et tous les ambassadeurs, tous les diplomates, tous les militaires américains savent très bien qu'ils représentent une cible. Aujourd'hui, on a un attentat qui paraît incroyable. Il y avait un loup-garou du terrorisme international qui s'appelle Ousmane Ben Laden, qui est la cible numéro un, l'ennemi public numéro un des Américains. C'est lui vers lequel on se tourne d'abord. Maintenant, il y a une revendication du FDL. Les revendications, vous savez, il va y avoir une surenchère. Il y a tas de groupes qui vont revendiquer dans les jours à venir et on saura au bout de plusieurs mois, plusieurs semaines, qui a vraiment fait le coup. Alors, on va revenir, on va tenter évidemment, nous sommes actuellement en train d'essayer d'avoir à nouveau en ligne nos correspondants aux États-Unis, mais aussi Bertrand Aguirre, bien sûr, à Jérusalem. Marianne Konoff, on peut peut-être revenir sur ce qui s'est déroulé et sur ce qui nous a amené d'être en direct, je le rappelle, actuellement à l'antenne. Vous voyez ces images à la fois de New York et Washington. Alors, New York, il est à peu près 8h45. Donc il est à peu près 8h45 sur place, donc beaucoup d'affluence évidemment dans les bureaux de New York. Les New-Yorkais se rendent à leur travail et un avion, un premier avion, donc un avion, un 737, nous disait tout à l'heure Ulysse Gosset, détourné donc de Boston, s'encastre dans la première tour jumelle du World Trade Center. Une explosion, le feu bien sûr, et puis 18 minutes plus tard, un deuxième avion, vraisemblablement lui aussi détourné, s'encastre à nouveau sur la deuxième tour jumelle du World Trade Center. Il faut dire qu'à cette heure-là, donc je vous le rappelle, il est 9h heure locale à New York. Il y a beaucoup de monde à la fois dans les bureaux et à la fois dans les rues de New York. Ce sont des scènes de panique, des scènes horribles bien sûr. Il y a beaucoup, beaucoup de fumée, vous le voyez, qui sortent des deux tours. C'est bien sûr, on parle tout de suite d'actes de terrorisme puisqu'il s'agit d'avions détournés. Un troisième appareil sans doute est allé sur le Pentagone et là nous sommes maintenant à Washington et c'est là où c'est une situation complètement sans précédent. Des attentats au même moment à New York, sur les deux tours jumelles du World Trade Center, un symbole bien sûr des États-Unis, et bien sûr sur le Pentagone, autre symbole de la puissance américaine. Le Capitole et le secrétariat au Trésor sont également en cours d'évacuation. La Maison Blanche a été également évacuée. Nous n'avons pour le moment peu d'informations sur ce qui s'est passé au Capitole. Il y a eu deux explosions au Capitole, au Pentagone. Pour le moment, nous avons bien sûr des bilans, mais qui sont très approximatifs et très provisoires, bien sûr, des victimes. Il y aura plus de 1000 blessés. Voilà, on parlait selon les chaînes de télévision américaines, en effet, sur le seul site du World Trade Center, de ces deux tours. Et je vous rappelle, pardonnez-nous de le préciser ainsi, mais qu'il ne s'agit pas de cinéma, bien entendu. Nous sommes en direct sur ce que Alice Gosset considérait comme des actes de guerre tout à l'heure, en effet, de la part des terroristes qui ont déclenché ces catastrophes au World Trade Center, mais aussi au Pentagone. Nous sommes en direct avec, vous le voyez, ces images à gauche de votre écran de New York, le World Trade Center où les deux avions sont encastrés, mais aussi du Pentagone donc qui a été évacué, où il y aurait eu trois explosions, et vous voyez les hélicoptères de la police et des pompiers de Washington qui bien sûr tentent d'intervenir ainsi au Pentagone, c'est-à-dire le siège de l'état-major de l'ensemble des forces armées américaines. Tous les avions l'espace aérien new-yorkais ont été interdits de décollage, peut-être même dans l'ensemble de l'espace aérien de l'Est des États-Unis. Alors nous allons, si vous le voulez bien, nous sommes, je vous le rappelle, en direct à la suite de ce qui s'est déroulé aujourd'hui à New York et à Washington, de ce qui se déroule en ce moment même, car la situation est extrêmement évolutive. Nous allons revenir sur l'intervention très courte et très solennelle du président des États-Unis, George Bush, qui, depuis la Californie où il se trouvait, la Floride, pardon, Marianne Kotenoff, depuis la Floride où il se trouvait en voyage, est intervenu pour préciser en effet qu'il s'agissait d'une tragédie, mais d'une attaque terroriste. Alors, nous avons à droite de l'écran les images du Pentagone, de l'avion donc qui s'est écrasé sur le Pentagone. Vous voyez bien sûr les secours qui sont très nombreux, avec bien sûr des pompiers. Vous voyez dans quel état est le bâtiment. Le choc a dû être, et là encore, énorme. Vous voyez le bâtiment complètement éventré. On ignore le nombre de victimes. Pour le moment, aucun bilan. Vous voyez donc les secours qui sont sur place. Donc, reconnaît bien les colonnes et l'architecture du Pentagone, souvent montrées à la télévision.
télévision bien sûr, mais aussi dans les films, au cinéma, le Pentagone, siège des forces armées, de l'état-major de l'armée américaine, qui aurait été en partie ou totalement évacué. Nous pouvons revenir peut-être maintenant sur la déclaration de George Bush, qui a été diffusée sur les chaînes de télévision américaines il y a quelques minutes, et qui évoquait ce terme d'attaque terroriste. Nous écoutons George Bush, le président des États-Unis. Aujourd'hui, nous avons eu une tragédie. Deux avions se sont écrasés contre le World Trade Center dans une apparente attaque terroriste. J'ai parlé au vice-président, j'ai parlé au gouverneur de New York, avec le directeur du FBI, et nous avons mis toutes les ressources du gouvernement sur cette enquête pour aider évidemment les victimes de cette attaque et pour mettre en route une enquête globale pour trouver ceux qui ont fait cet acte. Le terrorisme contre notre nation ne sera pas accepté. Et maintenant, si vous voulez bien, vous allez vous joindre à une minute de silence avec moi. Ok. Voilà, alors nous venons d'entendre le président des États-Unis, alors même que vous voyez sur votre écran, à droite, sur les images de la chute d'un avion sur le Pentagone, donc trois avions qui se sont jetés, attaque suicide, et puis alors même que sur l'ensemble de votre écran, des images de New York, Manhattan, le World Trade Center. Nous avons des difficultés, bien sûr, à commenter, alors que nous avons peu d'informations depuis Paris, ces informations. Mais il semble qu'une des tours du World Trade Center se soit écroulée. Voilà. Vous voyez les images d'une catastrophe inimaginable, qui est une forme, en effet, de... d'apocalypse. Tout le quartier est noyé dans une fumée absolument indescriptible. Alors il doit y avoir des tonnes de secours qui sont dessous là, qui essayent sans doute de des milliers de personnes aussi coincées. On nous avait dit tout à l'heure que le quartier avait complètement été évacué, avait été bouclé, mais cela dit, bon, c'est quand même sans précédent. Alors, il faut savoir, Marianne, que les tours du World Trade Center se sont déjà, même si la plupart des étages ont été évacués, ce que l'on peut espérer, il y a déjà 40 000 personnes qui travaillent dans ces deux tours. Donc vous imaginez que ce que l'on vient de voir, qui appelle l'émotion, mais qui est surtout inimaginable, sans précédent dans notre histoire à tous, la chute sans doute du tout ou partie de l'une de ces deux tours du World Trade Center, tour symbole de l'économie américaine, de la puissance américaine bien sûr, mais surtout, très simplement, très physiquement, très concrètement, l'un des plus hauts immeubles de New York, avec à ses pieds Manhattan, et toute une série d'immeubles beaucoup des plus petits, certes, du monde. Des plus gros immeubles du monde, en effet, Vincent. Qu'il est 9h du matin. Et donc, on imagine les victimes dans l'immeuble lui-même, mais aussi tout aux alentours, et dans quelle situation se trouve actuellement l'ensemble de Manhattan, de la ville de New York, et bien sûr aussi ceux qui tentent actuellement de secourir, on l'imagine sur ces images, les gens qui sont au sol. D'autant que Pierre-Alexandre nous disait tout à l'heure que l'évacuation, rien que des tours, prendrait sans doute plusieurs heures, puisqu'il y a 110 étages. Thierry Guerrier vous le disait il y a quelques minutes, il y a 40 000 personnes qui travaillent à l'intérieur de ces tours, que là nous sommes en pleine journée, que les gens sont donc au travail, et qu'aux alentours en plus, il y a aussi l'évacuation du quartier, qui elle aussi a dû prendre du temps, sans compter qu'il doit y avoir dans les rues une indescriptible panique entre les voitures des pompiers et des secours qui tente bien sûr de sauver ces gens qui sont coincés dans les tours. Alors ces images de New York en direct que nous vous diffusons actuellement, nous les aurions diffusées ça aurait fait l'effet ça aurait été le fruit d'un scénario, de l'imagination d'un scénariste, elles n'auraient sans doute peut-être pas été prises au sérieux. Vincent Hervouette. C'est le fruit de l'imagination de quelqu'un qui veut commettre un attentat, qui frappe très très fort les imaginations. Il y avait deux tours jumelles, il n'y en a plus qu'une, elle s'est effondrée, c'est le symbole de la puissance, de la richesse de l'Amérique, qui vient de Manhattan, qui vient d'être brisée. Ils ont réussi, effectivement, un coup qui est inimaginable. Imaginez que la tour Eiffel ait été rasée par un terroriste islamiste, ou qu'on ait fait sauter Saint-Pierre de Rome. C'est à peu près du même acabit. Nous rejoignons Vincent Hervouette actuellement en direct avec nous au téléphone. Pierre-Alexandre, l'un des correspondants de TF1 LCI à New York. Oui, allô?
Oui, Pierre-Alexandre, alors, oui. Vous avez assisté à l'instant, comme nous, j'imagine, à la chute de l'une des deux tours du World Trade Center. Oui, très, très impressionnant. Il y a une énorme fumée blanche maintenant qui envahit le ciel. Ici, c'est un sentiment d'indignation, de panique. Tous les accès de Manhattan sont fermés. On ne sait pas ce qui se passe exactement. On ne connaît pas l'ampleur des dégâts, mais tous les locaux publics sont évacués et c'est vraiment la panique générale. C'est toute la presqu'île de Manhattan qu'il faudrait presque évacuer si l'on en croit ce que nous sommes en train de voir, c'est-à-dire une fumée qui recouvre non seulement le secteur de Wall Street, le petit quartier de Wall Street, Little Italy, mais aussi qui remonte sans doute peut-être pas jusqu'à Central Park, mais très haut, très loin, Pierre-Alexandre. Eh bien écoutez, la tour s'est effondrée sur le Financial District, c'est-à-dire tout le quartier des affaires qui se trouve à la pointe de Manhattan. Il y a là de très nombreuses tours de bureaux. Tous les grands établissements financiers sont basés là. Il y a beaucoup, beaucoup de monde à cette heure-là. Ce n'est pas tout Manhattan qui est touché. C'est la partie la plus sensible, la plus dense en tout cas, la pointe de Manhattan avec le quartier des affaires. On doit malheureusement concevoir, imaginer alors qu'il est, Pierre-Alexandre, que le bilan de cet attentat, de ce double attentat sur New York sera considérable. Oui, c'est très très difficile à estimer, mais il y aura sans doute des milliers de victimes parce que, je vous le dis, il y a une densité à cet endroit extrêmement importante et il n'est pas certain que tous les bâtiments aient pu être évacués avant que la tour ne s'effondre. Oui. Pierre, est-ce que vous avez, Pierre, des informations, parce que c'est quand même une tragédie qui est en train de se passer là, et ces informations aussi sur les avions qui ont été détournés. Est-ce que les avions étaient pleins? Est-ce qu'il y avait des passagers à l'intérieur de ces avions? Est-ce qu'on a des informations là-dessus? Pour l'instant, il n'y a aucune information plus précise que ce que l'on avait tout à l'heure sur ce point. La question, c'est plutôt de savoir quels sont exactement les centres qui sont touchés ici dans ce quartier des affaires, donc extrêmement dense. Ce qui est certain, c'est qu'il y a eu deux impacts dans les tours, un impact sur chacune, mais on ne sait pas exactement, effectivement, comment cela s'est déroulé précisément. Mais aujourd'hui, eh bien, la question, c'est de savoir comment faire pour limiter la tragédie, pour essayer d'évacuer au plus vite eh bien, toute cette zone extrêmement dense. Alors Pierre-Alexandre, est-ce que vous auriez des informations sur la façon dont la vie, si l'on peut dire, se déroule encore dans Manhattan, dont vous n'êtes pas loin, vous êtes peut-être même dans Manhattan même. Non, est-ce que vous voyez... À Brooklyn, c'est-à-dire juste en face des Twin Center, ce qui se passe, eh bien, c'est que tous les ponts, tous les tunnels ont été bloqués et l'ensemble des occupants de la pointe du quartier des affaires sont en train d'être évacués vers la partie centrale de Manhattan. C'est tout ce que l'on sait pour l'instant. On a vu affluer ici à Brooklyn un très grand nombre de véhicules de secours, des voitures de pompiers, des ambulances qui, elles, ont pu rentrer dans la partie qui vient d'exploser. C'est tout ce que l'on sait précisément pour l'instant. Ce que vous voulez dire, c'est que ce sont les autorités américaines, les autorités de New York qui ont bien sûr bloqué les ponts et non pas la panique elles ont essayé de prévenir cette panique en s'organisant. Pour l'instant, oui, ce sont les autorités américaines, la police ici, qui a bloqué tous les accès à Manhattan pour éviter que d'autres personnes ne viennent dans cette zone qu'ils tentent d'évacuer au plus vite. Alors nous allons rejoindre Pierre-Alexandre. Merci, vous restez avec nous en direct de New York, de Brooklyn, le disiez-vous. Nous allons à Jérusalem, nous allons rejoindre notre correspondant Bertrand Aguirre. Bertrand Aguirre, je rappelle à nos téléspectateurs que donc toute une série d'attentats, deux à New York sans doute, un troisième au Pentagone à Washington, des avions qui ont commis des attaques suicides sur les tours de World Trade Center et puis sur le Pentagone, se sont donc jetés ainsi, faisant des milliers de morts, on peut le présager, sur New York et sur Washington. Le FDLP, l'une des organisations palestiniennes, de la résistance palestinienne, aurait revendiqué, d'autres informations nous disent que non, aurait revendiqué ces trois attentats. Quelles sont les informations à Jérusalem? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire depuis Jérusalem? Mais écoutez, en effet, c'est une personne qui a téléphoné à l'antenne de la télévision d'Abu Dhabi à Jérusalem pour revendiquer donc cette série d'attentats. Je peux vous dire que pour l'instant, les différents personnages représentatifs du FDLP ici en Israël dénient complètement cette information. Donc nous sommes
dans une situation où il faut être extrêmement prudent. Je vous rappelle que le Front démocratique de libération de la Palestine est une organisation donc palestinienne créée en 69, une organisation marxiste qui a signé les accords d'Oslo, qui était donc inclus dans un processus de paix. Elle n'a jamais dans son histoire pratiqué des détournements d'avions. Donc je pense qu'il faut faire très très attention avec cette revendication et rester extrêmement prudent. Oui, Bertrand Aguirre, quel est le sentiment actuellement, pour le peu que vous puissiez éventuellement le savoir, à Jérusalem? Est-ce que cela renforce, je dirais, l'attention et l'inquiétude, particulièrement aujourd'hui, du côté israélien ou même du côté palestinien en Israël? Non, écoutez, je crois que d'abord tout cela est en train de se passer, donc on ne peut pas bien évidemment évaluer la tension. Je crois qu'en effet les Israéliens suivent tout ce qui se passe en ce moment aux États-Unis de très très près. Cette revendication bien évidemment les a également sensibilisés, mais encore une fois je crois qu'il faut faire très attention, il faut être extrêmement prudent. Cette revendication n'est pas confirmée, donc pour l'instant on ne peut pas affirmer que le FDLP est bien à l'origine de cette série d'attentats. Pour l'instant, encore une fois, je crois qu'il vaut mieux attendre. Merci Bertrand Aguirre. Vincent Herviette, donc on a une première réaction française, celle d'Hubert Védrine, qui se dit bien sûr horrifié par ces attentats. Et puis à l'instant, donc Lionel Jospin qui lui exprime sa tristesse également horrifiée. Évidemment, je pense que tous les deux ont à l'esprit qu'une telle chose aurait pu arriver aussi à Paris. Oui, bien qu'on n'a pas du tout le même poids ni la même politique au Proche-Orient que les États-Unis, si on veut croire que ces attentats sont des attentats liés à la situation, au conflit israélo-arabe. Ce qui est certain, c'est qu'on est en face d'une série d'attentats concertés. Hein. C'est peut-être pas le plus grand attentat, mais en tout cas c'est le plus spectaculaire, peut-être pas le plus meurtrier. Il est encore trop tôt pour le dire, mais c'est celui qui va frapper le plus fort les imaginations. Et ce n'est pas comme un détournement d'avion. Une sorte de chantage pour obtenir un bénéfice immédiat ou un bénéfice politique. C'est la volonté de tuer, c'est la volonté de frapper. Frapper les imaginations, frapper les intérêts américains, c'est un acte de guerre, ça sonne comme une sorte de revanche, c'est un acte de haine. De ce point de vue-là, il faut malheureusement constater que c'est réussi. Ah, c'est parfaitement réussi, ces images vont faire le tour du monde et ils resteront dans l'histoire du terrorisme comme l'attentat le plus réussi qui ait jamais été imaginé et qui était organisé de manière concertée. Parce que un attentat, lancer un avion contre une tour de Water Center, ça peut venir dans la tête d'un scénariste, mais une campagne d'attentat, deux avions plus le Pentagone, on n'a jamais vu cela. Il y a eu les attentats de Septembre Noir, notamment avec le détournement dans le désert de plusieurs appareils par plusieurs commandos œuvrant ensemble et les faisant sauter ensemble. Ça avait bouleversé la planète et on avait découvert tout d'un coup l'existence du FPLP, du FDLP, des organisations palestiniennes les plus radicales à ce moment-là. Ça les avait propulsés sur... Elle leur avait donné une sorte de sérieux, une sorte de poids incroyable dans les opinions. Là, on n'a jamais vu cela avant. C'est spectaculaire et incroyable. Avant que je passe la parole à Marianne Kotonoff, je voudrais vous prévenir nos téléspectateurs, bien sûr, que, outre l'intervention, la déclaration d'Hubert Védrine, le ministre français des Affaires étrangères, et de Lionel Jospin, le Premier ministre, qui se disent horrifiés par ce qui est en train de se dérouler en ce moment même, en direct aux États-Unis, à New York et à Washington, eh bien, le président Jacques Chirac devrait intervenir, alors qu'il est en voyage en Bretagne depuis hier, le président Jacques Chirac devrait intervenir en direct dans quelques instants, quelques minutes depuis Rennes. Nous allons rejoindre Marianne Kotonoff, une spécialiste du terrorisme. Oui, Irène Stoller, vous êtes magistrate, donc spécialisée dans la lutte antiterroriste. Votre avis à chaud sur cette vague d'attentats? Oui, écoutez, moi, je ne peux me borner qu'à faire deux observations. La première, c'est démontrer la fragilité des États contre le terrorisme. On le voit bien, cette puissante Amérique qui est touchée de plein fouet, comme on le voit. Et puis la deuxième observation, c'est qu'il est important de travailler justement sur tous ces réseaux terroristes avant qu'ils interviennent. Je crois qu'il ne faut jamais baisser la garde. Cette action démontre bien que le terrorisme existe, qu'il continuera à exister et qu'il peut toucher absolument n'importe qui, n'importe quand. Voilà ce que... Alors, Irène Stoller, merci d'être intervenue ainsi sur notre antenne. Je rappelle une fois de plus à nos téléspectateurs que nous sommes en direct, que les images que vous voyez là sont celles des deux tours du World Trade Center, les deux plus grandes tours du monde, qui se trouvent à New York, à Manhattan. Deux tours, ça devient abusif malheureusement de parler ainsi, puisque l'une d'entre elles s'est effondrée vers 8h45, heure de New York, un petit peu avant 15h, heure de Paris. Un avion, puis un autre, 18 minutes plus tard, détournés, des appareils détournés, se sont crashés
volontairement sur ces deux tours du World Trade Center. Je vous rappelle tout de suite qu'un troisième attentat a eu lieu, un autre avion s'est crashé sur le Pentagone, l'état-major des forces armées américaines. Marianne Cotonoff, nous avons, je crois, le président Chirac. Voilà, le président Chirac qui va donc s'exprimer tout de suite de Rennes. On l'écoute. Mais vous avez probablement appris dans la demi-heure qui vient de s'écouler les drames qui se passent actuellement avec les attaques terroristes dont les États-Unis sont l'objet. Nous suivons depuis une demi-heure les événements naturellement, de minute en minute, et je suis dans l'obligation absolue de regagner immédiatement mon bureau à Paris. Je vais donc vous demander l'autorisation de vous quitter. C'est en effet avec une immense émotion que la France vient d'apprendre ces attentats monstrueux, il n'y a pas d'autre mot, qui viennent de frapper les États-Unis d'Amérique. Et dans ces circonstances effroyables, le peuple français, je tiens à le dire ici, tout entier, est aux côtés du peuple américain. Il lui exprime son amitié et sa solidarité dans cette tragédie. J'assure naturellement le président George Bush de mon soutien total. La France, vous le savez, a toujours condamné et condamne sans réserve le terrorisme et considère qu'il faut lutter contre le terrorisme par tous les moyens. Voilà les raisons pour lesquelles je vous demande de bien vouloir m'excuser, étant obligé de rentrer immédiatement à Paris. Je vous remercie. Voilà, donc c'était donc le président Chirac qui s'exprimait depuis Rennes, où il est en visite donc depuis 2 jours en Bretagne. Bien sûr, conséquence de l'inquiétude internationale, toutes les bourses sont en chute libre, Paris aussi. Et nous rejoignons tout de suite à la Bourse de Paris Jean-Pierre Gaillard. Alors Jean-Pierre, un point tout de suite. Oui, bien rapidement, hein, l'événement est sans précédent, la réaction des marchés est sans précédent aussi, alors que l'on regagnait 2% ce matin, et on a plongé jusqu'à moins 6%, et en ce moment, on le voyait, on est à moins 4,5%, tous les marchés européens sont à la même enseigne, moins 4,42 à Amsterdam, il y a même moins 7,26% à Francfort, moins 4,21 à Londres, moins 5,57 à Zurich. Ce que l'on avance tout de suite, c'est de se dire que des événements pareils, il y aura forcément des conséquences, des représailles. On pense tout de suite à des événements au Proche-Orient qui pourraient entraîner des gros problèmes sur le pétrole, des hausses sur le pétrole. Indiscutablement, l'inquiétude est grande, il faut bien le dire, et on repart à la baisse, moins 4,78 maintenant. Alors une grande émotion internationale, bien sûr, Jean-Pierre Gaillard, qui se traduit en effet par ce facteur économique que sont les bourses mondiales, qui craignent en effet les gestes éventuels de représailles. Alors à cet égard, Vincent Hervouet, que peut-on imaginer, spéculer peut-être à l'heure qu'il est, sur les possibilités de réaction de la puissance américaine et du président George Bush? Vous savez, ça relève de la guerre secrète pour une bonne part. Hein. Il y a d'abord l'enquête. Vous savez, il y a déjà eu un attentat contre le World Trade Center. C'était en 93. Ceux qui avaient organisé le réseau terroriste qui était derrière cet attentat a été démantelé. Ses auteurs ont été arrêtés. Ils ont tous été condamnés. Le cheikh égyptien qui était à la tête de cette petite mouvance islamiste purge actuellement en prison une peine de prison à perpétuité et il ne sortira jamais de sa cellule. Donc, dans les affaires de terrorisme, il y a un travail de simple police qui finit par aboutir. On sait toujours, à un moment ou à un autre, qui a fait quoi. Cela dit, il y a plus grave que ça. Ça, c'est la réponse policière. Et puis, il y a une réponse militaire. Il est évident que s'il est avéré que c'est Ben Laden qui est derrière cet attentat, puisqu'il a la capacité, il a les hommes, il a l'argent, il a l'expérience, et lui paraît être le seul, aujourd'hui, capable d'organiser une telle série d'attentats au même moment, dans un timing très court, avec une mise en scène aussi spectaculaire, si c'est Ben Laden, si c'est avéré, on peut s'imaginer que l'Afghanistan qui l'héberge va avoir de durs moments à passer et qu'on peut être certain que les Américains sauront se payer sur la bête, sauront se exercer des représailles. Mais, il faut aller plus loin. À l'origine de tout cela, il y a quand même la crispation internationale, il y a l'impasse de la situation au Proche-Orient, pas de débouché militaire, pas d'issue militaire, pas de solution politique en vue, c'est pas le rendez-vous entre Pérez et Arafat reporté depuis 8 jours qui risque de changer quoi que ce soit, donc il y a une véritable impasse, il y a une exaspération qui est montée dans les milieux
arabes, dans les milieux islamistes. Il y a une radicalisation de la gauche palestinienne, il y a une radicalisation de tous les mouvements d'opposition au régime soutenu par les Américains à travers l'ensemble de la péninsule arabique. Et ça, évidemment, que ça se paye. Il va bien falloir trouver une solution politique aussi à ce problème. Vincent Hervouet, une information qui étaye vos propos à l'instant, qui vient de tomber. L'agence France-Presse nous précise par exemple que des dizaines de réfugiés palestiniens au Liban tiraient cet après-midi des salves pour manifester leur joie à la nouvelle des explosions qui ont secoué le World Trade Center à New York. Des explosions que vous, dont vous voyez en partie les résultats actuellement en direct sur nos images, sur votre écran. Il s'agit là de ce qui reste de l'une des deux tours du World Trade Center, puisque l'une d'entre elles s'est effondrée, et de sa jumelle qui est à côté et qui brûle encore, comme vous le voyez, car vert. 15 heures de Paris, un petit peu auparavant, un avion puis un second à 18 minutes d'intervalle se sont crashés après avoir été détournés sur ces deux symboles de l'économie et de la puissance américaine. Mais un troisième attentat est intervenu lui aussi un petit peu plus tard à Washington. Marianne Cotonoff. Oui, sur le Pentagone, donc un troisième avion s'est encastré sur le Pentagone. Là aussi, le Pentagone est en flammes. Alors je vous propose maintenant de retrouver Pierre-Alexandre à New York. Pierre-Alexandre, alors qu'on voit, nous, sur les images à LCI et à TF1, des images de panique dans les rues face à ces deux tours qui sont en flammes. C'était juste avant, donc, sans doute, que l'une des tours ne s'effondre. Pierre, vous vivez donc ces scènes de panique à New York. Comment ça se passe dans les rues? Quelle est l'attitude des habitants? Est-ce que les secours ont pu arriver? C'est la panique totale, puisque ici à New York, eh bien, tout le monde connaît des gens qui travaillent dans cette partie-là, et que toutes les communications en ce moment entre Manhattan et le reste de New York sont coupées. Cette zone est entièrement enfermée, on essaye d'évacuer au maximum tous les gens qui se trouvent là. Il y a une énorme fumée blanche qui maintenant envahit le ciel, on ne voit plus rien, bien que les conditions météorologiques soient excellentes. C'est vraiment la panique. Il se pourrait même, il y a une thèse ici d'une troisième explosion qui serait intervenue il y a une vingtaine ou 30 minutes environ. Mais c'est l'émotion. On ne sait plus très bien ce qui se passe. Et ici, la préoccupation des gens dans les rues, en dehors du périmètre de sécurité, c'est d'avoir des nouvelles de gens qui se trouvent à l'intérieur. Comment ont-ils été évacués? Qu'est-ce qui se passe? Et là-dessus, pour l'instant, eh bien, chacun cherche à savoir, mais dans un climat de panique totale. Oui, car il faut rappeler, Pierre-Alexandre, et vous pouvez peut-être en témoigner, que actuellement, c'est un nuage considérable, noir-blanc, qui envahit l'ensemble du sud de la presqu'île du Manhattan, ce que vous appelez le Financial District. Exactement. Moi, je suis exactement à une centaine de mètres de l'autre côté de l'East River, à Brooklyn. Il y a une vingtaine de minutes, je voyais encore très clairement les tours avec les fumées qui se dégageaient. Et maintenant, eh bien, c'est un épais brouillard blanc. Je ne vois absolument plus rien. Je ne distingue même plus les tours qui sont à côté des Twin Towers dans ce quartier. Donc un nuage qui entoure aussi, évidemment, l'Hudson River, mais aussi les autres quartiers comme Brooklyn de l'autre côté de la rivière. Il commence à s'étendre, effectivement. C'est comme si c'était un brouillard général. C'est un climat très, très étrange qui, bien sûr, ajoute à la panique ici. Oui, Pierre-Alexandre, il faut le rappeler, donc ces tours ont 110 étages et abritent combien de personnes? Vous pouvez nous le rappeler? C'est difficile, ces étages sont très vastes, il y a des dizaines et des dizaines d'entreprises qui sont comprises dans le World Trade Center, mais aux alentours même, là où la tour s'est effondrée, il y a aussi des bureaux et des bureaux. C'est sans doute la zone du monde à la plus forte densité humaine, et donc c'est très difficile de faire un diagnostic. Tout dépend la vitesse à laquelle l'évacuation aura été entamée dès que le premier impact a été. Il est impossible de voir où en sont les secours vu la fumée qui a envahi les rues. Il y a des gens qui quittent effectivement, qui sont évacués de ce périmètre. On afflue en dehors du périmètre de partout. Mais il est impossible pour l'instant de savoir exactement quels sont les gens qui restent à l'intérieur, le nombre de blessés. Voilà, vous voyez, donc nous voyons sur ces images, donc vous pouvez voir sur TF1 et sur LCI, de gens complètement paniqués et en larmes qui quittent le quartier de Manhattan, donc en proie donc à une épaisse fumée après l'effondrement d'une des tours jumelles. Alors je vous propose maintenant de revoir avec Thomas Oro le fil des événements, comment tout cela s'est passé depuis donc à peu près 15h45, là où un premier avion s'est encastré dans la première tour jumelle. Tout de suite donc le sujet de Thomas Oro. Quelques minutes après le premier crash, un second avion s'encastre dans la deuxième tour du World Trade Center de New York. Il est près de 9h du matin, l'heure de pointe où les New-Yorkais vont travailler.
L'explosion est gigantesque. Elle laisse derrière elle un trou béant. Au pied des bâtiments de 110 étages, des débris en feu s'écrasent sur l'immense place située entre les deux tours. Une pluie de métal en fusion se déverse sur les New-Yorkais affolés. Un immense périmètre de sécurité est rapidement dressé. Des milliers de personnes quittent leur bureau dans la panique et courent dans les rues pour s'éloigner du sinistre. Rapidement, le FBI indique qu'il s'agit d'un acte mal intentionné, en clair d'un attentat. Le FDLP, le Front de Libération de la Palestine, sans plus de précision, revendique l'attentat quelques dizaines de minutes plus tard. Les deux avions, dont le premier un Boeing 767 de la compagnie American Airlines, ont été détournés ce matin après leur départ de Boston par des terroristes sur les tours jumelles de Manhattan. Tous les aéroports de la ville sont fermés par crainte d'une nouvelle attaque. Puis on apprend qu'une partie du Pentagone est en feu, touchée par un troisième avion. Le bâtiment est évacué. Par précaution, le personnel de la Maison Blanche quitte lui aussi ses bureaux. Au même moment, une des deux tours s'effondre, cassée en deux par le choc. Les autorités américaines sont débordées. Elles annoncent l'annulation de tous les vols commerciaux aux États-Unis. Voilà, alors vous venez de voir à l'instant le rappel des faits depuis 14h45 à peu près, heure de Paris, 8h45 heure de New York ce matin, de ces deux attentats à New York, troisième attentat au Pentagone à Washington, des avions détournés sans doute qui se sont crashés, attentat suicide, attaque suicide contre ces deux tours dont l'une donc s'est effondrée pour partie sur son quartier, sur ce Financial District. Nous avons en ligne avec nous Frédéric Ancel, vous êtes l'un des spécialistes français universitaires du Proche-Orient. Vous savez, monsieur Ancel, que le FDLP a revendiqué peut-être ces attentats. Il y a eu une revendication, mais aussi un démenti. Alors, quel est votre sentiment sur la façon dont les événements se sont accélérés aujourd'hui? Ah, écoutez, alors d'abord, il faut être très prudent parce que vous savez, des revendications dans ce type, après ce type d'attentat, il y en a en général des dizaines, voire des centaines. Mais celle du FDLP paraît d'autant plus crédible que le FDLP est l'une des toutes premières mouvances gauchistes palestiniennes dans les années 70 déjà, hein, à avoir pratiqué le terrorisme aérien. Alors encore une fois, il faut être très prudent, mais deuxième élément de crédibilité, c'est que ces dernières semaines, ces derniers jours, dans le cadre de la guerre israélo-palestinienne, hein, qui sévit chaque jour, eh bien, le leader du FDLP dans les territoires palestiniens a failli être abattu par les Israéliens. Et à chaque fois que le FPLP ou le FDLP, qui sont les vieux mouvements gauchistes, communistes, palestiniens, s'en prennent à Israël, ben ils s'en prennent directement aussi aux États-Unis, accusés de soutenir de manière absolument inconditionnelle l'État d'Israël. Alors c'est ce qui rend aujourd'hui l'hypothèse de cette revendication crédible. Alors, Frédéric Ancel, est-ce qu'on pouvait prévoir, est-ce que les États-Unis avaient un tant soit peu anticipé, la question peut paraître paradoxale compte tenu de la catastrophe énorme, apocalyptique que nous sommes en train de vivre actuellement, est-ce que les États-Unis avaient un tant soit peu anticipé récemment des menaces d'attentats? Écoutez, les États-Unis, j'ai envie de dire que les États-Unis prévoient toujours tout, mais le problème, c'est de savoir, en tant que superpuissance, mais le problème, c'est de savoir où et quand, et surtout qui. Vous voyez, ça me fait un petit peu penser, pardonnez-moi à ce parallèle que je donne un petit peu à chaud comme ça, hein, et les historiens me pardonneront, ça me fait un petit peu penser à l'Empire romain au moment où il était le plus étendu, le plus puissant. Il était extrêmement difficile de vaincre des légions qui se trouvaient aux confins arabiques de l'Empire. En revanche, il n'était pas si difficile que ça de frapper au cœur de Rome et de frapper éventuellement d'ailleurs l'empereur lui-même. C'est-à-dire qu'une superpuissance, même si elle est superpuissante sur le plan militaire, politique, économique et sur le plan du renseignement, ne peut pas tout. Et s'il y avait des menaces d'attentats, en particulier en provenance du Proche-Orient, vous savez, il y a toujours des menaces. Et un pays, même les États-Unis, on le voit bien avec Israël, ne peut pas 24 heures sur 24 d'abord être l'arme au pied d'une part, et d'autre part, ne peut pas 24 heures sur 24 déjouer tous les attentats réels ou supposés qu'il subit, si vous voulez, dont Israël est victime. Donc je crois que là, les États-Unis, comme en 93, hein, donnent l'exemple, non pas d'un géant aux pieds d'argile, les pieds des États-Unis ne sont pas d'argile, mais démontre, illustre que une attaque terroriste bien combinée peut frapper absolument n'importe qui, absolument n'importe où. Reste à savoir maintenant quel sera le prix payé par les terroristes ou les groupements ou la cause
terroriste qui a provoqué cet attentat. Merci Frédéric Ancel. Je rappelle que vous êtes un universitaire français, l'un des spécialistes du Proche-Orient. Marianne Cotonneuf. Oui, alors nous allons tout de suite rejoindre Pierre-Alexandre. Vous êtes toujours à New York. Et là, on apprend que le siège de l'Organisation des Nations Unies a été évacué, donc par mesure de précaution. Vous avez des informations là-dessus également, Pierre? Oui, tous les grands buildings ici, de bureaux, de Manhattan, sont évacués. On demande aux gens de quitter au plus vite la presqu'île de Manhattan pour se rendre vers d'autres quartiers au maximum afin d'éviter tout nouvel incident et d'éviter que des personnes se trouvent dans des bureaux, dans des tours, si un nouvel incident, une nouvelle explosion devait intervenir. Car il se confirme qu'après le choc des deux avions ce matin, il y a eu une troisième explosion, sans doute au pied de l'une des tours jumelles, et cela, il y aurait maintenant 40 ou 45 minutes. Alors Pierre, il faut bien sûr en parler, même si on n'a pas de chiffres, est-ce qu'on peut déjà avancer un bilan, bien sûr, qui serait provisoire, mais qui doit être colossal? Écoutez, c'est très difficile. Moi, je connais beaucoup de gens qui sont actuellement dans ce périmètre. J'essaye depuis tout à l'heure de les joindre par téléphone. Toutes les communications sont coupées, aucun portable ne passe. On ne sait pas pour l'instant exactement l'ampleur des dégâts. On sait qu'évidemment, il y a des images catastrophiques, on a des échos de tragédie, mais on ne peut pas encore bien mesurer véritablement l'ampleur des dégâts. Pierre-Alexandre, au moment où vous parlez, nous rediffusions les images de la chute du sommet, peut-être de la plus grande partie de la tour de Manhattan, peut-être même sommes-nous d'ailleurs en direct. Il est difficile pour nous de commenter en effet ces images, car il peut s'agir de la deuxième tour du World Trade Center qui se serait actuellement effondrée. Nous avons il est nécessaire de rappeler aux téléspectateurs que nous sommes bien en direct à la suite de ces attentats qui ont été perpétrés vers... un peu avant 15h heure de Paris, des avions détournés qui se sont crashés contre les tours de Manhattan, le World Trade Center, deux tours, et puis au Pentagone, et qui, en quelque sorte, ont disparu, puisque la deuxième tour, et il s'agit d'images en direct que vous avez actuellement, la deuxième tour du World Trade Center s'est effondrée à l'instant même à New York, des tours où il y avait 40 000 personnes, deux tours de 110 étages, des tours jumelles les plus hautes du monde. Un symbole pour les États-Unis et le pour symbole New York. De la puissance en effet économique américaine, puisqu'un grand nombre d'entreprises financières étaient logées dans ces deux tours. Vincent Hervouet, Tony Blair vient de se dire terriblement choqué par les attentats aux États-Unis. On a entendu il y a quelques minutes le président Chirac qui disait que la France était aux côtés du peuple américain et qui condamnait aussi très fermement le terrorisme, avec, il l'ajoutait, la nécessité de lutter contre lui, et la France est donc aux côtés des États-Unis. Poutine aussi, le président Vladimir Poutine, se dit lui extrêmement choqué et il déplore une tragédie horrible. Et puis donc Tony Blair, je vous le disais à l'instant, Vincent Hervouet. Les terroristes ont gagné. Il y a quatre commandos qui étaient à l'œuvre visiblement, puisqu'il y a eu deux avions, plus le Pentagone. C'est une sorte de Pearl Harbor du terrorisme auquel on vient d'assister, auquel on assiste en ce moment en direct. Dans le terrorisme, l'objectif des poseurs de bombes, l'objectif des commandos, c'est de déstabiliser la psychologie de l'État qui est victime pour faire passer un message. Le message, là, si vraiment la piste islamiste ou la piste palestinienne se confirme, c'est que l'on veut... Il veut absolument empêcher l'Amérique de s'isoler, de se laisser aller si jamais ils étaient tentés par l'isolationnisme. Ils sont impliqués au Proche-Orient, il faut qu'ils s'en souviennent. Vous avez utilisé une image particulièrement forte, Pearl Harbor. Pour nous tous, Pearl Harbor, je ne cherche pas à dramatiser, mais Pearl Harbor, il y a eu la guerre dans la foulée entre les États-Unis et le Japon. Pearl Harbor peut être la veille d'un séisme sans précédent, et nous sommes en train de le vivre sur l'ensemble de la planète. La première puissance mondiale vient de voir l'état-major, le site de l'état-major de ses armées attaqué. Alors, votre sentiment? Non, moi je pense exactement le contraire. C'est-à-dire que, quand je disais Pearl Harbor, c'est parce que c'est une attaque simultanée qui est massive et qui n'était absolument pas prévue. Et effectivement, il n'y a pas eu de déclaration de guerre. Il y avait des menaces, comme il y en a toujours sur les États-Unis, des menaces plus précises. Il y avait effectivement une colère qui montait, un sentiment de vengeance qui s'exprimait dans les rues palestiniennes, le drapeau américain. Ça, c'est pas nouveau. Là où c'est différent, c'est que les terroristes essaient de faire des attentats spectaculaires. Ils essaient de déstabiliser
leurs ennemis, la psychologie, ils essaient de faire un coup. Et là, effectivement, ils ont réussi parce que ces images, elles font le tour du monde, parce que Poutine, parce que Blair, parce que le président Chirac réagissent immédiatement. Jacques Chirac a expliqué qu'il rentrait à son bureau à l'Élysée, subitement, comme s'il y avait une décision et une politique à mener tout de suite. Alors qu'en fait, il y a simplement une série d'attentats extraordinaires, un cataclysme terroriste comme on n'en a jamais vu, mais ce n'est pas une attaque au nucléaire, ce n'est pas une attaque, il n'y a pas de danger sur la France, par exemple. Précisément, revenons sur les faits, Marianne Cotton. Et pendant que vous parliez justement, Vincent Hervouet, nous avons vu les images donc de la deuxième tour du World Trade Center qui s'effondrait, donc il n'y a plus de World Trade Center à New York. Ce sont des images d'apocalypse où il y a avoir des centaines, voire des milliers de morts. Pour le moment, nous n'avons aucun bilan. Donc je vous rappelle ce qui s'est passé vers 14h45 environ. Un premier avion s'est encastré dans une première tour jumelle du World Trade Center. 18 minutes après, un deuxième avion s'est encastré dans la deuxième tour. Le haut des tours est en feu. Il y a eu des explosions. Et quelques minutes plus tard, peut-être une demi-heure plus tard, un troisième avion s'est encastré dans le Pentagone à Washington cette fois. On ignore encore le bilan, mais ça doit être terrible. Alors, Marianne Cotton-Off, en effet, ces deux tours qui viennent de s'effondrer, il y a quelques instants, on ne peut même pas dire quelques minutes, il y a une minute et demie peut-être à peu près, nous sommes à l'antenne depuis 15 heures, heure de Paris à peu près. Le premier des deux avions avait percuté 18 minutes auparavant la première des deux tours du World Trade Center qui n'existe plus, puis 18 minutes plus tard, quelques minutes avant que nous prenions l'antenne, donc un deuxième appareil se crash, sans doute un appareil commercial. On parlait d'un Boeing 737 d'American Airlines détourné, cette deuxième tour. Et puis donc, une heure et demie plus tard, il est un peu plus de 16h30, il est 16h34 dans quelques instants, une heure et demie plus tard, après une heure et demie d'incendie, mais sans doute fragilisé par ces deux crashs, eh bien, les deux tours, tout ou partie, nous ne pouvons pas vous le dire pour le moment, se sont effondrés, les deux plus hautes tours du monde, 110 étages, 40 000 personnes qui travaillent à l'intérieur. C'est dire sans doute, en effet, même si elles ont été en partie évacuées, c'est dire que le nombre des victimes se comptera par milliers, voire par dizaines de milliers. Marianne Cotton-Off. Alors maintenant, nous allons à Rennes, nous allons retrouver François Bachy. François Bachy, donc, le président de la République a fait une courte allocution. Il a donc écourté son voyage à Rennes pour rentrer précipitamment à Paris. Oui, parce que tout, effectivement, ici devenait totalement artificiel. Jacques Chirac a appris en arrivant à la faculté des métiers le drame new-yorkais. Il s'est tenu au courant minute par minute grâce à son aide de camp. Peu à peu, il a appris la nature terroriste de ces actes dramatiques. Il a alors choisi de s'isoler dans un bureau pour se mettre en relation avec Paris, essayer d'en savoir plus dans ce flot d'informations qui est arrivé pendant toute cette heure. Et puis Jacques Chirac, effectivement, a exprimé son émotion et la solidarité du peuple français avant de regagner Paris où il sera dans une heure. Je vous rappelle que Jacques Chirac doit voir normalement George Bush la semaine prochaine à Washington et se rendre d'ailleurs à New York pour un sommet des Nations Unies. Est-ce que l'on peut imaginer un conseil de sécurité, un conseil de défense qui pourrait se tenir avec le ministre des Affaires étrangères, Hubert Védrine, Lionel Jospin et bien sûr Alain Richard, le ministre de la Défense? C'est tout à fait envisageable, mais pour l'instant, je crois qu'effectivement, nous sommes dans une situation d'urgence où chacun attend de rentrer à Paris, d'avoir plus d'informations, mais il est évident que ces personnes se rencontreront vraisemblablement dans la soirée. Merci François Bachy. Je rappelle que vous étiez aux côtés de Jacques Chirac, du président de la République, et donc en direct de Rennes. Marianne Cotton-Off. Oui Thierry, on vient d'apprendre donc qu'un des deux avions qui ont frappé donc tout à l'heure le World Trade Center à New York pouvait transporter jusqu'à 158 passagers. Je vous rappelle qu'il a été détourné. Il s'agit d'un Boeing 767 qui assurait le vol numéro 11 d'American Airlines entre Boston et Los Angeles. Donc de tels vols, bien sûr, impliquent en plus la présence de deux pilotes et de 9 ou 10 membres d'équipage. Donc il y aurait aux alentours de 170 morts donc, en plus. Ce seraient donc les passagers de cet avion. Et puis il faut ajouter que normalement, d'après nos informations, le deuxième appareil aurait également été détourné. Donc les morts vont sans doute se compter par centaines. Alors vous nous pardonnerez ces comptabilités particulièrement morbides, mais c'est bien des images d'apocalypse que nous vous diffusons actuellement en direct depuis New York. New York où, donc, au début de l'après-midi, 15h heure de Paris, deux attentats commis, perpétrés après avoir détourné des avions, donc contre les tours du World Trade Center, qui ont été rayés de la carte il y a quelques minutes. Des précisions ou d'autres informations. Londres, la diplomatie britannique, qui propose son aide pour retrouver les auteurs des attentats. Marianne Cotton-Off. Et puis Israël aussi, qui a proposé son aide aux États-Unis. Et puis
j'ajoute que l'explosion du Pentagone, et en fait il y a eu deux explosions, mais une explosion a été apparemment provoquée par une bombe. C'est ce qu'a ajouté donc des témoins qui étaient là. C'est une bombe sortée, a déclaré donc un témoin qui était sur place. Un autre témoin, un journaliste, avait rapporté qu'elle avait entendu le bruit de deux explosions. Donc vous voyez, pour le moment, ce sont des informations qui sont bien sûr difficiles à confirmer. Ce sont des informations qui nous arrivent par bribes. Nous vous les livrons telles que nous les recevons. Mais apparemment, donc, il y aurait une bombe. Et vous voyez actuellement donc ces images diffusées en direct depuis l'une des rives de la baie de l'Hudson River au centre de Manhattan. Vous voyez au premier plan, devant le sud de Manhattan, la presqu'île new-yorkaise, donc le quartier des affaires qui est entouré de cette gigantesque fumée blanche qui est le fruit de la chute des deux tours du World Trade Center après qu'elles aient été percutées par des avions. Et vous voyez à gauche de l'écran, qui va disparaître dans quelques secondes, voilà c'est fait, la tour de la Statue de la Liberté qui est là au milieu de cette baie. Vous voyez à nouveau les images de la chute il y a quelques instants, de la deuxième tour des deux sœurs jumelles, des deux tours jumelles du World Trade Center, qui s'est effondrée, alors à une demi-heure d'intervalle, peut-être un petit peu plus, de l'autre tour du World Trade Center, ce centre d'affaires mondial de New York, donc aux États-Unis, capitale économique des États-Unis. La panique, ou en tout cas l'inquiétude très grande qui a saisi l'ensemble des chancelleries, Vincent Hervouet, bien sûr, touche au premier chef Israël, Israël qui a décidé d'évacuer ses représentations diplomatiques aux États-Unis, c'est-à-dire l'ensemble de son personnel aux États-Unis, de crainte d'ailleurs que l'ensemble de ses personnels ne soit la cible d'attaque à la suite des attentats spectaculaires que nous venons de vivre. Le problème, c'est que le Pentagone, comme les ambassades israéliennes, comme les ambassades américaines d'ailleurs, sont des bâtiments qui sont très protégés, notamment pour ce qui concerne le Pentagone, par des missiles air-sol-air. Cela dit, contre effectivement un kamikaze, il n'y a pas de protection véritablement à 100% efficace, et on vient de s'en rendre compte. Je voudrais juste rajouter une chose au propos d'Israël et de la piste islamiste à laquelle tout le monde évidemment pense tout de suite. Il y a quand même un précédent auquel il faut se référer, c'est l'attentat meurtrier d'Oklahoma City. Quand les lignées américaines ont commencé à travailler sur Oklahoma City, ils ont immédiatement indiqué que c'était Ben Laden. Ils ont immédiatement pensé à la piste islamiste et ça a duré pendant plusieurs jours, avant que Bill Clinton, qui était resté très prudent dans cette affaire, ne commence à expliquer à l'opinion qu'on ne savait pas du tout où en était l'enquête, que toutes les rumeurs circulaient étaient fausses. C'était un civil américain. En fait, c'était effectivement un forcené américain. Ça n'avait absolument rien à voir. C'était un attentat interne, rien à voir avec la piste islamiste. Donc, il faut être prudent. Comment imaginer que ce puisse être ce type de scénario cette fois-ci? C'est tout de même très difficile compte tenu de la situation. Thierry, comment imaginer que le FDLP, qui est une organisation communiste crypto stalinienne moribonde, qui a réussi un coup d'éclat depuis 5 ans à savoir attaquer une base de l'armée israélienne il y a 3 semaines et tuer 3 soldats, ce qui était véritablement une sorte d'épopée pour les Palestiniens, quelque chose d'inconcevable que le FDLP réussisse à faire ça. Mais comment imaginer qu'il se fasse aujourd'hui à la fois le Pentagone et les deux tours du World Trade Center, le symbole de New York? C'est inimaginable aussi. Alors, d'autres informations qui nous parviennent actuellement en direct. L'Union européenne condamne par la voix notamment du Premier ministre belge Guy Verhofstadt avec la plus grande fermeté ces actes de barbarie. Alors revenons peut-être sur ces images que nous voyons actuellement, je vous rappelle, en direct. Nous sommes en direct avec ces images qui nous proviennent de New York. Sur votre écran à gauche, l'image directe de la baie de l'Hudson River et la chute de ces deux tours qui ont été rayées de la carte, les deux tours du World Trade Center. Et puis à droite, nous vous rediffusons l'image de l'arrivée du deuxième avion qui s'est crashé contre l'une des deux tours jumelles, la seconde. C'était vers, je vous le rappelle, 8h45, heure de New York, c'est-à-dire un petit peu avant 15h, heure de Paris. Marianne Cotonneau. Oui, alors nous allons prendre tout de suite au téléphone Jean-Luc Marais. Vous êtes spécialiste terroriste et de stratégie internationale. Donc vous, que pensez-vous donc de la piste du FDLP? Je crois que c'est probablement inexact, parce que cette organisation politique était marginalisée entre l'autorité palestinienne et le Hamas, et je ne les vois pas avoir les moyens de faire ça. Mais en réalité, vous avez invoqué tout à l'heure Oklahoma. Moi, personnellement, il y a un précédent auquel je pense aussitôt, c'est que c'est le premier attentat qu'il y a eu contre le World Trade Center en 1995. Ça avait été fait par un type qui s'appelait Ramzi Youssef, qui est depuis en prison aux États-Unis, et il avait décidé de faire exploser le même jour de 1995 12 avions américains au-dessus du Pacifique.
Il n'a pas réussi en ce qui concerne les avions américains, mais en tout cas, il y avait eu l'attentat du World Trade Center. Qui était ce personnage, Monsieur Marais ? Pardon ? Qui était ce personnage ? Ramzi Youssef, c'est un type qui appartenait à la structure d'Oussama Bin Laden. Alors, il faut être prudent, parce que aussitôt, d'une façon un peu fantasmatique, spécialement aux États-Unis, on invoque Oussama Bin Laden chaque fois qu'il y a quelque chose de terroriste qui se passe. Mais en réalité, c'est quand même probable. Alors, c'est quand même probable. Oussama Ben Laden, est-ce que vous pouvez nous dire un mot aussi de cette organisation ? Vous dites la structure d'Oussama Ben Laden. Qui est-il et quelle est cette structure ? Et malheureusement, on ne peut pas être manichéen, parce qu'il ne faut pas voir l'organisation d'Oussama Ben Laden comme quelque chose de très structuré. Une organisation style parti politique ou FPLP ou GIA, c'est une sorte de nébuleuse informelle, avec des membres, avec des équipes qui se forment pour des projets très précis. Et c'est des Oussama Bin Laden, donc c'est un fils d'une famille de saoudienne, yéméno-saoudite, qui a décidé un jour de s'attaquer à la puissance américaine. Pour quelle raison? Il faut d'abord dire au départ, et c'est pour ça que je vous dis qu'il ne faut pas être manichéen, c'est que il a quand même été non pas alliés, mais il y a eu une connivence d'intérêt avec les États-Unis et l'Angleterre et Oussama Bin Laden pendant la guerre d'Afghanistan quand les Russes étaient en Afghanistan. Et Oussama Bin Laden a servi à financer, à former militairement les résistants afghans contre les Russes. Alors, et ensuite... Jean-Luc Marais, je vous interromps parce que nous avons des informations. Vous restez avec nous si vous le souhaitez. Nous allons vous redonner la parole avec Vincent Hervouet dans un instant. Deux informations. D'abord, l'explosion, l'attentat au département d'État aurait eu lieu. Il y aurait eu donc une explosion, une voiture piégée au département d'État, donc à Washington. Autre information fournie à l'instant par la chaîne de télévision américaine ABC News. Et puis Tony Blair, donc le Premier ministre britannique, à l'instar de ce qu'a décidé le président Jacques Chirac d'ailleurs il y a quelques minutes, Tony Blair à Londres a décidé de convoquer une réunion d'urgence de son cabinet. Marianne Cotonoff. Oui, alors je vous propose maintenant d'écouter deux témoignages, donc des personnes qui se trouvaient à New York, dans les rues de New York au moment donc de ces terribles attentats. On les écoute. J'étais en train de secourir des gens lorsque nous avons entendu une énorme explosion. Tout d'un coup, tout est devenu noir, des bris de verre nous tombaient dessus, blessant les gens en dessous. Tout était très sombre et épais, c'était comme de la neige, mais en fait c'était des morceaux de l'immeuble qui nous tombaient sur la tête. C'était un véritable cauchemar. J'étais au coin de la 6e avenue et de la rue d'Hudson en train de téléphoner. En levant la tête, j'ai vu une explosion. Autour de moi, les gens étaient en train de pleurer, certains allongés sur le sol. Dans le ciel, la tour était en train de s'écrouler dans un nuage noir. En une seconde, c'était plein de fumée, de poussière, et il ne restait plus qu'une seule tour. Alors, retour maintenant donc à New York avec vous, Pierre-Alexandre. Il n'existe plus donc de World Trade Center. Oui, je vais y arriver. Tous les avions au départ des aéroports américains sont cloués au sol maintenant, donc jusqu'à nouvel ordre. Vous avez des informations ? Écoutez, c'est un climat de panique totale. Il y a sans doute des centaines de milliers de personnes qui travaillent dans le périmètre direct du World Trade Center. Et pour l'instant, eh bien, la situation est très très loin de se calmer puisque la fumée est toujours dense, de plus en plus dense. Et visiblement, eh bien, on ne peut pas entrer dans le périmètre puisque la police essaie d'évacuer au maximum toutes les personnes qui travaillent dans ce quartier vers d'autres parties de New York, d'autres parties de Manhattan. Mais cela prend une tournure catastrophique, dramatique, c'est un climat de panique totale, d'autant plus que là, eh bien, vous voyez, on est dans un nuage qui ne désemplit pas, qui se poursuit malgré eh bien, le fait que ça fait maintenant près de 2 heures que la première explosion a eu lieu. Ce sont véritablement des scènes d'apocalypse que l'on voit là, et on voit donc des personnes là sur les images qui nous arrivent. On voit donc encore ces fumées donc, qui s'échappent de ces tours. Alors il faut rappeler, Marianne Cotonoff et Pierre-Alexandre, que donc trois symboles considérables de... nous sommes en ce moment avec de nouvelles images, en effet, qui nous arrivent des États-Unis, avec une tentative évidemment de secours sur l'une des victimes, très nombreuses victimes par milliers, alors même que ce sont les secouristes eux-mêmes qui sont en difficulté, on peut l'imaginer, des images qui sont en New York. Symboles de la puissance américaine. D'une part, le World Trade Center, Vincent Hervouet, la puissance économique, elles ont été rasées aujourd'hui. Le centre du commerce mondial. Centre du
commerce mondial, et puis le PC de l'armée américaine, et puis le département d'État, une information qui nous est parvenue il y a quelques instants. Bah, c'est la puissance militaire américaine, avec ce petit attentat au Pentagone qui n'aurait fait que 7 blessés, hein, d'après le communiqué officiel. C'est le département d'État, c'est la diplomatie, c'est la politique étrangère américaine, c'est l'Amérique qui est l'hyperpuissance, comme on dit ici, avec laquelle personne ne rivalise, aucune nation au monde. Et puis, c'est le World Trade Center, symbole du capitalisme américain, symbole de la puissance financière, le dollar, et le centre du commerce mondial, que si on prend la traduction littérale du World Trade Center. Alors, déclaration de François Bayrou, le président de l'UDF, parti politique français. Non, j'évoque cette déclaration parce qu'il repie l'image que vous évoquiez à l'instant sur LCI. François Bayrou qui dit c'est Pearl Harbor en pire. Nous évoquions la suite de Pearl Harbor il y a une quarantaine d'années. Vous considérez au contraire que ce n'est pas une grande puissance qui a attaqué les États-Unis et l'ensemble des grandes puissances et des capitales mondiales sont solidaires alors qu'il est de Washington. Vous savez, Pearl Harbor, c'est aussi l'entrée de l'Amérique dans la guerre. Hein. C'est la Pearl Harbor, c'est des centaines et des centaines de morts de marins américains tués sans qu'ils aient eu le temps de se protéger. Pour l'instant, on ne sait pas combien il y a de victimes. Il y a surtout une des images qui donne l'impression d'une sorte d'apocalypse. Il y a cette fumée, il y a cette image incroyable qui va frapper les imaginations. Il y a pour l'instant l'information qui est déstabilisée. Tout le monde est très choqué par ce qui vient de se passer. Ça a un point symbolique extraordinaire. Ça déstabilisera évidemment les Américains. Mais bon, pour l'instant, il ne faut pas quand même imaginer que... vous savez, les terroristes cherchent toujours à obtenir la surenchère dans l'information. Ils cherchent toujours à stupéfier les intelligences. Parce que l'émotion, finalement... empêche après de raisonner. On ne sait pas très bien qui a frappé, mais on comprend très bien qu'il faut plier. C'est toujours comme ça que ça marche. Hein. Eh bien, c'est assez sommaire, finalement. Et jouer sur l'émotion, jouer par la terreur sur les imaginations, eh bien, c'est ce que l'on obtient, notamment en utilisant le système médiatique. Ce n'est pas simplement pour faire un brolant symbolique idéal qui s'attaque au département d'État, qui s'attaque au Pentagone, au World Trade Center. C'est qu'ils attaquent à des lieux qui sont connus dans le monde entier, et qu'on imagine extrêmement protégés. Et ils disent finalement aux Américains, vous n'êtes pas intouchables, vous n'êtes pas les maîtres du monde. Si nous posons la question de la suite, c'est parce qu'évidemment, on doit imaginer que Washington et sa puissance chercheront des représailles. Oui, bien sûr, on trouvera sûrement quelqu'un à bombarder. Mais vous savez, les représailles, on trouvera sans doute des membres du réseau à mettre en prison. On arrivera peut-être même à démanteler entièrement le réseau, comme on l'a fait au précédent attentat du World Trade Center, d'une espèce de mouvance qui se rattachait à Ben Laden, d'un Égyptien, un cheikh qui finira ses jours derrière les barreaux de sa prison américaine, et qui a été condamné à perpétuité, ainsi que tout le monde de son réseau. Mais le problème, il n'est pas là. Le problème, c'est que on essaye, en faisant pression sur l'Amérique, de l'obliger à prendre une position différente dans le conflit israélo-arabe, si il est avéré que c'est bien un attentat islamiste. C'est la guerre menée à l'Occident, c'est la guerre menée au grand Satan, c'est la guerre menée à l'impie, c'est la guerre auquel on assiste. C'est un spectacle de guerre. Ça ne veut pas dire que ce soit pour autant une guerre qui se prépare. Alors, Vincent Arouette, là, on apprend à l'instant que le Front populaire de libération de la Palestine, donc le FPLP, affirme n'avoir aucun lien avec la série d'attentats donc, qui viennent de se passer aux États-Unis. Donc ils sont basés à Damas et ils affirment n'avoir rien à voir avec ces explosions. Ils ont tenu une conférence de presse. Oui, alors ce qui est assez curieux dans la déclaration du FPLP, au moins pour une fois, ils ne se vendent pas. Vous savez qu'en général, quand il y a un attentat palestinien, toutes les organisations essayent de tirer la couverture à eux et revendiquent au nom des attentats qu'ils n'ont pas obligatoirement commis. Le FPLP ne se vende pas. Ce qui est curieux, c'est que quand même, au moment où leur secrétaire général, Abu Ali Mustafa, a été liquidé par les Américains, ils avaient promis, ils avaient juré de venger cette mort et de s'en prendre aux intérêts américains et israéliens à travers le monde. Notre riposte sera dure et atteindra les intérêts américains et israéliens où qu'ils se trouvent, avait déclaré donc un membre du comité exécutif du FPLP. Bon, ils ne l'ont pas fait. Et là, donc, on apprend que Yasser Arafat condamne, lui, les attentats donc commis aux États-Unis. C'est le minimum. Oui, alors nous avons en ligne avec nous au téléphone depuis la Belgique l'un des spécialistes israéliens de la question islamique. Vous êtes professeur israéli, je crois, universitaire à Jérusalem. C'est ça. Alors, comment réagissez-vous et comment analysez-vous, autant que nous puissions le faire à l'heure qu'il est, la situation compte tenu de ce que vous avez dû voir, des images et de ces attentats suicides perpétrés à la fois à New York et à Washington? Écoutez, tout d'abord, on ne connaît pas encore l'auteur de ces attentats. Et il peut être d'une mouvance islamique, un de ces mouvements intégristes islamiques, que ce soit Bin Laden ou Hamas ou Hezbollah,
qui agissent sur le plan mondial et contre les intérêts des États-Unis et contre les intérêts d'Israël. Et ça peut être un mouvement nationaliste qui n'a rien à voir avec l'intégrisme, comme les diverses factions de l'OLP et d'autres. Mais vous pensez à qui, professeur Israëli, en particulier? Toutes les deux tendances sont susceptibles de faire une erreur de ce genre, parce que on a toutes les deux tendances commettant exactement les mêmes choses, toute proportion gardée, bien entendu, en Israël, tous les jours. Mettons que ça arrive seulement en Israël, on dit c'est le problème d'Israël. Maintenant que ça commence à arriver un peu partout dans le monde, le monde se réveille et voit à qui nous faisons face. Mais alors, professeur Israëli, comment imaginer, ainsi que nous le disait Vincent Terwette tout à l'heure, que des organisations palestiniennes, qui, même si elles ont quelques moyens, aient pu disposer des moyens considérables, techniques, financiers, nécessaires pour réaliser de tels attentats? Monsieur Arafat a des milliards de dollars dans les banques. Et tout cet argent qui a été d'ailleurs collecté avec l'aide d'Israël. Professeur Israëli, pardonnez-moi, je vous interromps parce que l'agence France-Presse nous fournit une nouvelle information. Un avion détourné se dirigerait actuellement, nous sommes en direct, se dirigerait ce matin à heure de New York vers le Pentagone, c'est-à-dire le ministère de la Défense américain que vous voyez actuellement sur ces images. Qui a déjà été l'objet d'un attentat tout à l'heure. Donc, et qui a en effet, Marianne Kotonoff, déjà été touché. Oui, par un avion. Donc. Alors donc, c'est une information signée du FBI, un responsable du FBI, le Vincent Hervouet, le bureau d'investigation, la police fédérale américaine. Oui, non, ce que j'aurais demandé à notre interlocuteur qui est au téléphone, qui mettait en cause Yasser Arafat, est-ce qu'il imagine, ne serait-ce qu'un instant froidement, que le président de l'autorité palestinienne puisse se trouver derrière une campagne qui touche, une campagne de 5 attentats déjà, on en dénombre déjà 5, qui vise... au cœur de l'Amérique, est-ce qu'il croit ça sérieusement, lui qui est universitaire et israélien? Professeur Israëli? Oui, écoutez, je ne sais pas s'il est derrière ou pas. Ça doit être, bien sûr, enquêté pour pouvoir arriver à ses conclusions. Mais jugé par les célébrations qu'on voit déjà sur les écrans, un peu partout dans la Cisjordanie, parmi les Palestiniens et surtout dans les camps des réfugiés palestiniens au Liban, alors il paraît qu'eux, au moins, soutiennent ce genre d'activité contre les États-Unis d'Amérique. Si Arafat l'a fait par ses moyens, il en a les moyens, mais s'il l'a fait ou pas, on ne peut pas juger sans une enquête sérieuse. Alors, nous revenons peut-être sur les faits avec d'autres informations, Marianne Kotonoff, et en particulier sur cette information qui nous arrive à l'instant même. Vous voyez en direct ces images de l'incendie qui touche une partie, l'une des ailes de ce Pentagone, précisément, de cet immeuble à Washington, tout près du centre de Washington et de la Maison Blanche, où se trouve le ministère de la Défense américain, l'état-major central des États-Unis. Donc, un troisième appareil serait en train donc de se diriger vers le Pentagone. Le Pentagone, donc, vous le disiez tout à l'heure, Thierry Guerrier, qui a déjà été touché donc par un attentat et touché par un avion tout à l'heure. Alors j'ajoute que tous les vols de la compagnie aérienne Air France à destination des États-Unis sont bien sûr déroutés ou annulés à la suite bien sûr de ces attaques terroristes. Et je voudrais qu'on rejoigne tout de suite donc Pierre-Alexandre. Peut-être d'autres informations à propos des vols. Tous les vols domestiques, tous les vols sur l'ensemble des aéroports américains ont été suspendus. Et puis l'armée de l'air russe, nous sommes de l'autre côté de la planète, l'armée de l'air russe a donc pris des mesures antiterroristes actuellement anti-aérienne en Russie. Nous rejoignons donc Pierre-Alexandre. Voilà, Pierre-Alexandre, vous êtes toujours donc dans les rues de New York. Oui. Maintenant, où en sommes-nous? C'est toujours des scènes d'apocalypse, je suppose, donc il n'existe plus de World Trade Center. Où en sont les secours? Est-ce que ce sont des scènes de panique encore auxquelles vous pouvez assister? Les secours continuent à affluer. C'est un balai incessant d'ambulances et de voitures de pompiers qui se dirigent vers Manhattan et qui reviennent de Manhattan, puisque je suis ici à Brooklyn, en face du Brooklyn Bridge, en face exactement des Twin Towers, des tours jumelles. J'essaye par tous les moyens de joindre les gens que je connais qui travaillent à proximité des tours jumelles, mais il n'y a aucune communication qui passe pour l'instant. On n'a aucune information précise de ce qui s'est passé, de la vitesse à laquelle les bâtiments ont été évacués, de l'endroit où les gens se trouvent maintenant, tous les gens qui travaillaient autour du World Trade Center, dans les tours qui sont tout près. Il y a, je rappelle, des centaines de milliers de personnes qui travaillent dans ce quartier. C'est sans doute le quartier qui a la plus
forte densité humaine au monde. Alors Pierre, on apprend que les bourses américaines sont bien sûr fermées et on a appris également qu'un avion détourné se dirigerait actuellement vers le Pentagone. Est-ce que vous avez des informations là-dessus ? Bien écoutez, non, rien de plus. Cette information vient effectivement d'être ici communiquée sur les médias américains. Dans le même temps, eh bien, le FBI a déclaré que pour l'instant, aucune revendication crédible n'était à prendre en considération. C'est pour l'instant, si vous voulez, la grande confusion ici, la panique. Et la préoccupation, c'est de savoir exactement quelle est l'ampleur des dégâts à l'intérieur. Mais on redoute vraiment ici une catastrophe énorme. Alors Pierre-Alexandre, je rappelle que vous êtes en direct et vous restez avec nous, bien sûr, en direct au téléphone de New York. Vous êtes actuellement à Brooklyn et vous êtes au cœur de cet spectacle dramatique auquel nous assistons depuis le début de l'après-midi. Pour les téléspectateurs d'LCI, sur la gauche de votre écran, donc en direct, les images depuis cette baie de l'Hudson, du sud de la presqu'île de Manhattan, où les deux tours du World Trade Center se sont effondrées. Et puis sur la droite, les images qui nous parviennent des télévisions américaines du Pentagone de Washington. Pourquoi Washington ? Eh bien parce que un autre appareil, un troisième avion, détourné sans doute lui aussi, s'est crashé sur le ministère des Affaires, le ministère de la Défense, l'état-major de l'armée américaine. Et puis, un petit peu plus tard, à l'heure qu'il est, il y a quelques minutes, le FBI, la police fédérale américaine, a alerté l'ensemble de ses concitoyens américains, via les médias, de la possibilité du risque de voir un troisième appareil, un autre appareil se diriger en ce moment même, et nous n'avons pas d'informations supplémentaires, vers le Pentagone donc. Mais nous avons eu cet après-midi deux revendications, une première, le FDLP, qui a été démentie, et puis une autre, à l'instant, Vincent Hervouet. Oui, c'est un journaliste arabe qui travaille à Londres, c'est que Londres est une grande capitale arabe pour la presse, qui a des liens très étroits avec la mouvance Ben Laden, et qui a déjà à plusieurs reprises interviewé le patron du réseau islamiste qui vit maintenant caché en Afghanistan. Eh bien, il affirme que Ben Laden lui avait annoncé des attentats sans précédent contre les intérêts américains en raison donc du soutien de Washington à la politique israélienne. Et ce journal s'appelle Al-Hots Al-Arabi, donc... Et le journaliste qui avait rencontré Ben Laden n'avait pas pris vraiment très au sérieux ces menaces. En tout cas, il s'est dit, attendons pour voir, attendons de voir ce qui va se passer avant d'en faire état. Et donc cet après-midi, il a déclaré à nos confrères de Reuters à Londres eh bien qu'il a fait part de cette revendication, a priori en quelque sorte, de Ben Laden. En tout cas, évidemment que le réseau Ben Laden, qui est l'ennemi juré des États-Unis et qui est la bête noire de la CIA, qui est une sorte de loup-garou du terrorisme international, est celui qui est le premier suspect sur la liste. Donc suspicion d'une revendication ou d'une action de Ben Laden sans une revendication formelle alors qu'il est. Marianne Cotonneuf. Oui, alors là, je voudrais qu'on écoute maintenant un témoignage, donc encore une personne qui se trouvait bien sûr dans les rues de New York au moment de cette terrible catastrophe. Écoutez. Nous étions dans le centre financier lorsque nous avons entendu un énorme boom. Il y avait de la fumée qui sortait des fenêtres, les gens se sont jetés au sol et alors on a vu le trou béant dans la tour. Il y avait de la fumée partout et les gens sautaient par les fenêtres. Ils sautaient par les fenêtres pour s'échapper. Je ne sais pas, c'était tellement fou, il n'y avait pas de moyen de sortir, tout était bloqué. On nous ordonnait de partir mais il n'y avait pas de sortie. Et puis j'ai entendu l'autre avion s'écraser. Si vous allez vers la deuxième tour, vous verrez les gens. Les gens, ils sont tous en train de sauter par les fenêtres. Voilà, vous rejoignez ou vous êtes en direct depuis le début de l'après-midi avec nous sur LCI. Nous intervenons avec une antenne continue depuis à peu près 15 heures, heure de Paris, 2 heures donc. Depuis que nous avons appris et depuis que nous pouvons vous diffuser ces images, depuis que nous avons appris en effet cette série d'attentats sans précédent, cette catastrophe et ces actes de guerre contre les États-Unis, des avions qui percutent les tours du World Trade Center, qui n'existent plus, le World Trade Center et ses deux tours jumelles ont disparu, attaque contre le Pentagone à Washington, attaque contre le département d'État. Nous allons revenir un petit peu plus en détail et en images avec Thomas Oro sur l'ensemble de ce scénario inimaginable qui s'est déroulé depuis 15 heures de Paris aux États-Unis. Quelques minutes après le premier crash, un second avion s'encastre dans la deuxième tour du World Trade Center de New York. Il est près de 9h du matin, l'heure de pointe où les New Yorkais vont travailler. L'explosion est gigantesque. Elle laisse derrière elle un trou béant.
Au pied des bâtiments de 110 étages, des débris en feu s'écrasent sur la place située entre les deux tours. Une pluie de métal en fusion se déverse sur les New-Yorkais affolés. Un immense périmètre de sécurité est rapidement dressé. Des milliers de personnes quittent leurs bureaux dans la panique et courent dans les rues pour s'éloigner du sinistre. Rapidement, le FBI indique qu'il s'agit d'un acte mal intentionné, en clair d'un attentat. Le FDLP, le Front de Libération de la Palestine, sans plus de précision, revendique l'attentat quelques dizaines de minutes plus tard, avant de le démentir. Les deux avions, dont le premier, un Boeing 767 de la compagnie American Airlines, ont été détournés ce matin après leur départ de Boston par des terroristes sur les tours jumelles de Manhattan. Tous les aéroports de la ville sont fermés par crainte d'une nouvelle attaque. Celle-ci survient quelques minutes plus tard. Un troisième avion percute le Pentagone, aussitôt évacué. Le département d'État est en feu après l'explosion d'une voiture piégée. Par précaution, le personnel de la Maison-Blanche quitte lui aussi ses bureaux. Au même moment, une des deux tours s'effondre, cassée en deux par la violence du choc. Une véritable panique s'empare des rues de Manhattan. Puis c'est le deuxième bâtiment qui s'effondre à son tour et déverse ses débris dans une tempête de cendres. Impossible d'évaluer le nombre de victimes, les premiers blessés sont évacués en toute urgence. Tous les vols commerciaux aux États-Unis sont suspendus jusqu'à nouvel ordre. Voilà, j'ajoute que un avion serait en train de se diriger actuellement vers le Pentagone, donc un avion également détourné, alors que le Pentagone a déjà été victime, vous l'avez vu, d'un premier attentat. Et puis, on vient de l'apprendre, un Boeing se serait écrasé près de Pittsburgh, donc en Pennsylvanie. Pour le moment, nous ne pouvons pas confirmer cette information ni l'étayer. Nous sommes en direct sur LCI après cette série d'attentats qui sont produits aux États-Unis. Autre information qui nous parvient à l'instant même. À Chicago, dans une autre grande métropole américaine, l'ensemble des immeubles de bureaux les plus élevés, ainsi que les bourses d'actions de matières premières de Chicago, ont été évacués ce matin hors de New York, cet après-midi hors de Paris, après bien sûr le double attentat de New York et puis les attentats de Washington. Donc les grands bâtiments, les buildings de Chicago évacués, par mesure de précaution. Marianne Cotonoff, il y a aussi actuellement à Paris les prémices d'une réunion de crise à Matignon autour du Premier ministre Lionel Jospin. Et puis le président américain, Ryan Clotonov. Oui, le président américain qui s'est exprimé depuis la Floride où il était lorsque ces attentats ont été perpétrés. Le président américain qui a fait une courte allocution et qui s'est dit bien sûr horrifié par ces attentats. On l'écoute tout de suite. Aujourd'hui, nous avons eu une tragédie. Deux avions se sont écrasés contre le World Trade Center dans une apparente attaque terroriste. J'ai parlé au vice-président, j'ai parlé au gouverneur de New York, avec le directeur du FBI, et nous avons mis toutes les ressources du gouvernement sur cette enquête pour aider évidemment les victimes de cette attaque et pour mettre en route une enquête globale pour trouver ceux qui ont fait cet acte. Le terrorisme contre notre nation ne sera pas accepté. Et maintenant, si vous voulez bien, vous allez vous joindre à une minute de silence avec moi. Voilà une tragédie, dit le président américain, une attaque terroriste, et puis cette minute de silence, à laquelle, symboliquement, bien sûr, se sont associés un grand nombre de chefs d'État de la planète, et en particulier le président Jacques Chirac, qui était, vous le savez, en voyage depuis deux jours, depuis hier, à Rennes, en Bretagne. Le président Chirac qui a quitté la Bretagne pour rentrer à Paris d'urgence, mais qui auparavant a fait une déclaration que nous allons entendre. Jacques Chirac, le chef de l'État. J'étais venu ici avec une grande joie, parce qu'il s'agissait, il s'agit d'un superbe projet, initié à l'origine par le Conseil général de ce département, et je me réjouissais à la fois de visiter cette réalisation de fait. Voilà, alors le président Jacques Chirac, pardonnez-nous, nous vous diffusions à l'heure
à l'instant une déclaration du président Chirac dans le contexte de sa visite consacrée à la pêche et à l'agriculture. Bien sûr, quelques minutes plus tard, il s'est exprimé sur cet effroyable événement en cascade qui est en train de se dérouler, qu'il n'est pas fini puisque on redoute même la chute d'un nouvel avion sur le Pentagone. Information du FBI, voici la source que nous avons d'après ABC News, une chaîne de télévision américaine. Alors je reviens à la France. Déclaration de chef d'État et du président français en particulier de solidarité à l'égard des Américains, des États-Unis. Déclaration aussi du Premier ministre Lionel Jospin ainsi que le ministre des Affaires étrangères. Premier ministre Lionel Jospin qui s'est dit horrifié par ce qui se déroule actuellement aux États-Unis. Nous écoutons Lionel Jospin. C'est évidemment une nouvelle tragique qui nous a tous frappés cet après-midi. Ce sont des attentats d'une violence et d'une gravité sans précédent qui ont frappé le World Trade Center, le Pentagone, sans doute d'autres lieux dans des grandes villes américaines. Mon premier sentiment est celui d'une émotion profonde, de l'horreur aussi pour cette violence inacceptable, les pensées d'émotion à l'égard des victimes, de leurs familles, et l'expression d'une solidarité profonde à l'égard du peuple américain. Nous devons tirer quelques conséquences de cette situation, même si elle frappe de l'autre côté de l'Atlantique. J'ai donc demandé au ministre des Affaires étrangères, au ministre de la Défense, au ministre de l'Intérieur, au ministre des Transports de me rejoindre à Matignon. Ils viennent d'arriver dans mon bureau et nous allons examiner de façon calme et rigoureuse ce que nous avons à faire. Il y a des conséquences ? La France est en état d'alerte. Oui. J'ai eu une conversation avec le président de la République qui, vous le savez, revient de Bretagne, où il était, et nous aurons sans doute à examiner ensemble, là aussi, les décisions qui doivent être les nôtres. Les précautions sont prises ou pas au niveau national ? C'est ce que nous sommes, les ministres sont là, justement, pour prendre les précautions qui apparaissent nécessaires dans une situation qui frappe les États-Unis, mais qui doit rendre chacun attentif. Voilà Lionel Jospin donc qui dit son horreur, qui réunit donc une réunion de crise à Matignon. Le président Jacques Chirac, lui, a décidé de convoquer un conseil restreint, donc l'ensemble des ministres concernés, cités à l'instant par Lionel Jospin et le Premier ministre lui-même, vont sans doute rejoindre le président de la République qui est rentré d'urgence, je vous le rappelle, de Rennes. Donc pour ce conseil restreint convoqué par le chef de l'État, c'est ce qu'annonce Catherine Colonna, porte-parole de l'Élysée. Deux petites informations, et je cède la parole à Marianne Cotonoff, la Bourse de Londres, le stock est le London Stock Exchange a été évacué il y a quelques minutes, un petit peu comme à Chicago où l'on a évacué aussi la bourse par mesure de précaution. Et puis, autre déclaration sur la scène internationale, le chancelier Schröder dit lui, le chancelier allemand, dit lui son effroi devant des attentats abominables. Autre réaction, Marianne Cotonoff. Oui, tout de suite celle de Yasser Arafat, Yasser Arafat qui se trouvait à Gaza et qui condamne bien sûr ces attentats. Écoutez-le. First of all, I am offering my condolences, the condolences of the Palestinian people to the American President, President Bush, to his government, to the American people for this terrible act. We are completely shocked. Completely shocked. Unbelievable. Alors, Monsieur Arafat, donc Yasser Arafat, le président de l'OLP, qui s'exprimait à l'instant en anglais, Vincent Herouette, qui a dit qu'il était choqué, qui a dit sa solidarité avec les victimes, qui a condamné aussi ces actes terroristes. Vous voyez, nous sommes en direct sur LCI, vous voyez en ce moment ces images qui nous arrivent de New York en direct. Il s'agit là bien de la presqu'île de Manhattan.
qui a été secouée donc par ces attentats considérables, dramatiques. Les deux tours du World Trade Center ont été rayées de la carte à la suite du crash de deux avions détournés contre les tours jumelles. Attentat donc, acte terroriste, disait le président des États-Unis. Nous rejoignons en direct de Brooklyn, donc de New York, Pierre-Alexandre, l'un des correspondants de LCI sur place. Bien écoutez, il y a toujours une épaisse fumée noire, elle est moins importante mais elle est de plus en plus noire, ce qui prouve qu'il y a maintenant d'importants foyers, d'importants incendies dans le quartier financier, donc dans Manhattan. Il y a de la cendre qui flotte partout. Dans le quartier même de Manhattan, il y aurait 2 cm de cendre par terre. C'est ce que m'a confié à l'instant quelqu'un que j'ai réussi à joindre par téléphone qui était en train de quitter ce périmètre. Visiblement, on a essayé d'évacuer le plus vite possible une grande partie des gens qui travaillent là, mais on ne sait pas encore évidemment qu'est-ce qui a été possible de faire réellement avant que tout cela ne prenne une tournure vraiment, vraiment tragique. Alors Pierre, nous avons une déclaration du maire de New York, Rudolph Giuliani, qui fait état d'un nombre terrifiant de morts. Oui, c'est malheureusement ici ce que l'on peut redouter. Je vous l'ai dit, il y a beaucoup, beaucoup de monde dans ce quartier. Ne serait-ce que dans les deux tours jumelles, il y a des milliers de salariés qui travaillent. Ensuite, tout autour, eh bien, il y a des tours qui sont elles aussi, qui ne sont pas aussi hautes, mais qui sont aussi très, très densément peuplées. C'est sans doute l'un des endroits les plus densément peuplés de New York. On se trouvait à une heure où tout le monde était à son bureau, à une demi-heure seulement de l'ouverture des marchés financiers, dans le quartier financier. C'est en quelque sorte l'heure de pointe. C'est, je dirais, malheureusement, on peut redouter un bilan énorme. Alors, Pierre-Alexandre, une autre information qui nous parvient à l'instant, Marianne Cotonoff. Oui, tout d'abord, un Boeing 747 assurant la liaison Chicago-New York s'est bien écrasé tout à l'heure dans l'ouest de la planète de la Pennsylvanie, entre New York et Washington. Ça vient d'être confirmé par les autorités locales. Alors, résultat, la plupart des compagnies aériennes du monde entier et les capitales du monde entier annulent actuellement, bloquent, interdisent l'ensemble de leurs vols à destination des États-Unis. Les États-Unis ont déjà pris la décision de stopper au sol tous les appareils civils qui volent en Amérique du Nord, bien sûr, sans doute de ce point de vue-là suivi par un grand nombre de pays aux alentours. On peut imaginer que c'est le cas aussi, notamment au Canada. Et puis Air France, la Suissair, la Russie, le Canada, donc l'information nous est précisée à l'instant, annulent leurs vols à destination des États-Unis. Alors Londres, tout à l'heure, a bien sûr proposé son aide aux États-Unis pour venir en aide bien sûr aux victimes. Vous imaginez, après l'effondrement des deux tours du World Trade Center, qu'il doit y avoir des centaines de victimes sous les décombres. On rejoint tout de suite à Londres Gilles Boulot. Gilles, vous êtes avec nous ? Oui, je suis avec vous et il y a, de manière assez étrange, un début de panique un peu à Londres, puisqu'on a bien compris que les attentats avaient eu lieu de l'autre côté de l'Atlantique. Et il y a eu des minutes comme ça d'hésitation durant lesquelles la bourse de Londres ne devait pas être évacuée. Finalement, elle a été évacuée il y a une demi-heure, il y a 40 minutes environ. Et il y a un quartier très important qui est le quartier des affaires à côté de la City de Londres, qui s'appelle Canary Wharf, dans lequel travaillent 40 000 personnes, les gens, les Golden Boys de la City. Eh bien, toute une partie de ce quartier a également été évacuée. Tony Blair, qui était en train d'assister au congrès des syndicalistes anglais, est évidemment retourné à Londres. Il doit tenir un cabinet de crise dans l'après-midi, dans les minutes qui viennent. Il a demandé le rapatriement express de tous ses ministres afin de traiter cette affaire. Gilles Boulot, je vous interromps parce que les informations dont nous disposons et qui tombent au fur et à mesure de cet après-midi sont dramatique et sans précédent. Par exemple, à l'instant, l'administration fédérale de l'aviation américaine, c'est-à-dire l'ensemble du système de contrôle de l'aviation civile, des contrôleurs aériens américains, annonce qu'elle a perdu le contrôle, je cite, qu'elle a perdu le contrôle d'un ou plusieurs avions. C'est-à-dire, concrètement, que l'on peut imaginer que les aiguilleurs du ciel ont dû perdre, à plusieurs reprises, sur leurs écrans, la trace d'un certain nombre d'appareils donc, qu'ils contrôlaient et qui, sans préjuger de ce qui a pu arriver, auquel il a pu en effet arriver une catastrophe d'une manière ou d'une autre, peut-être un détournement, peut-être une explosion. Nous ne pouvons pas en dire plus, mais à l'heure qu'il est, c'est l'administration de l'aviation civile américaine qui nous donne ces informations. Donc actuellement, encore d'autres attentats, sans doute, seraient perpétrés contre les États-Unis. Marianne Cotonoff. Oui, et je rappelle, Thierry, qu'on a appris donc il y a quelques instants qu'un avion venait de s'écraser en Pennsylvanie, donc un Boeing 747 assurant la liaison entre New York
York et Washington. Donc cela confirmerait ces informations que nous donnons à l'instant et ce communiqué assez dramatique de l'autorité de l'aviation civile américaine. D'autres informations, l'OTAN qui appelle à faire front contre le fléau du terrorisme, et puis Israël qui dénonce la menace du terrorisme islamique. Vincent Hervouette, l'opération terroriste pour choquer est loin d'être finie. Il semble bien que nous sommes en train de la vivre très malheureusement en direct. Ah ben, l'impact est extraordinaire, évidemment. Je veux dire, les terroristes qui ont réussi à monter une opération aussi compliquée en multipliant comme ça une demi-douzaine d'attentats, puisque si on fait le compte, il y a eu au moins 5 commandos qui sont passés à l'action, 5 commandos avec des kamikazes, eh bien, ils ont obtenu qu'effectivement, que les bourses européennes dégringolent, que celles de Londres soient prises de panique, que Manhattan soit évacué, que les symboles donc du capitalisme américain, les deux tours jumelles du World Trade Center soient rasés, que le Pentagone et le département d'État sont des bâtiments qu'on imaginait extraordinairement protégés, eh bien, ils sont vulnérables et désormais tout le monde le saura, que les télés du monde entier doivent être en train de diffuser en boucle ces images de Manhattan prise de panique. Et les agendas politiques des ministres français, anglais et américains, bien sûr, ont été chamboulés. Il y a un impact incroyable. On ne sait pas combien il y a de morts pour l'instant. Donc il ne sert à rien de pleurer sur les cadavres que personne n'a encore dénombrés. Il y en a peut-être beaucoup, comme le prétend le maire de New York, mais il ne faut pas non plus céder à la panique. Pour l'instant, il y a surtout une mise en scène spectaculaire d'une sorte de Pearl Harbor terroriste qui frappe les imaginations et qui est incroyable. Je ne sais pas ce qui se passe dans l'espace aérien américain, mais très franchement, j'imagine que les avions militaires de l'US Navy ont pris le contrôle et que tout appareil qui se dirige aujourd'hui vers New York doit être sacrément en danger. Oui, alors il ne faut pas céder à la panique, dites-vous, mais par exemple, une information, et il ne s'agit pas de cela, mais tout de même, les troupes de l'intérieur russe ont été mises en état d'alerte. C'est-à-dire que la Russie elle-même se sent menacée par une potentielle attaque terroriste. C'est une sorte de surenchère. À la fois on compatit et en même temps on s'inquiète. Les déclarations du Premier ministre, du chef de l'État, des ministres européens sont finalement tous du même tonneau. On est à la fois inquiet, stupéfait. Même Arafat, finalement, la déclaration d'Arafat reprend, on n'est pas du tout en phase avec l'opinion palestinienne qui déjà est en train de tirer, de faire des tirs de joie dans les rues de Gaza ou d'ailleurs, ou du Sud-Liban, et qui se réjouit de voir la toute-puissance, l'impérium américain ainsi bafoué. Non, Arafat, il est comme tout le monde, il est stupéfait par ce qui est en train de se passer, que personne n'aurait imaginé, même les scénaristes des thrillers américains, des films, des super-productions hollywoodiennes, qui envisagent toujours l'apocalypse moderne. Alors, André Caspi, vous êtes membre du CNRS, spécialiste des États-Unis. Alors, la première question qu'on est en droit de se poser quand on voit ces images et quand on voit ce qui s'est passé, c'est comment une telle chose a pu arriver? Comment des commandos terroristes ont-ils pu prendre le contrôle au même moment de plusieurs avions américains, alors qu'on sait que les aéroports américains sont quand même très surveillés et où la sécurité est maximale, pour arriver à ce genre de choses? Je voudrais tout d'abord poursuivre dans le sens qu'indiquait Vincent Hervouette. C'est-à-dire qu'en fait, en 1814, il y a donc presque deux siècles, la ville de Washington, qui était alors un petit village, a été en effet envahie par les troupes britanniques. Depuis 1814, ça ne s'est jamais produit. Alors certes, il y a eu en 1941 l'attaque japonaise sur Pearl Harbor. C'était un acte de guerre extrêmement compliqué à mettre sur pied, ce qui veut dire que les commandos qui ont agi aujourd'hui, dispose d'une technologie, dispose d'informations qui sont absolument remarquables et qui ont déjoué tous les systèmes de protection américains. Cela veut dire au fond que les services d'espionnage et de contre-espionnage des États-Unis ne sont pas arrivés à connaître à l'avance qu'il pouvait y avoir des événements de ce genre qui se préparaient. Et les autres services d'espionnage qui collaborent plus ou moins étroitement avec les États-Unis se sont trouvés exactement dans le même cas. Ça veut donc dire que la recherche des origines devient un élément primordial, et cela veut dire aussi, et ça je crois qu'il faut bien insister là-dessus, que si l'on peut démolir les deux tours du World Trade Center, n'importe quelle ville dans le monde, y compris Paris, peut être menacée par la folie du terrorisme. C'est le message des terroristes. De toute évidence, c'est-à-dire qu'en fait, on frappe le plus fort, donc si on frappe le plus fort, on peut frapper tous les autres. Vincent Arbouette. André Caspi, moi je vais vous poser une question. Quelle est, à votre avis, la réaction prévisible de l'opinion américaine qui avait tendance ces derniers mois finalement à ne plus vouloir entendre parler du Proche-Orient, à s'en désintéresser? Comment est-ce qu'à votre avis vont réagir
ces Américains qui vivent dans l'Amérique profonde. Écoutez, si on se fie au précédent historique, on peut imaginer tout d'abord qu'il y ait une sorte de consensus américain autour du président, parce que dans ces circonstances-là, c'est toujours ce qui se passe. C'était pas, c'était en 1941 le cas, c'était en 1961, lorsque Kennedy a raté son débarquement dans la baie des Cochons, la même situation. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois, les Américains se serrent les coudes et considèrent qu'il est absolument indispensable de réagir ensemble. Et de réagir comment? Parce qu'il ne suffit pas de dire que c'est un acte de guerre. Quand il y a la guerre, il y a des belligérants. Et là, on ne sait pas qui est l'autre, on ne sait pas qui est l'adversaire. Et si l'adversaire est constitué par un groupuscule, qui faut-il attaquer? Ce qui veut dire qu'en fait, la riposte est extrêmement difficile et nécessitera de toute évidence des enquêtes, un approfondissement en somme de l'investigation, sans que l'on puisse être certain qu'on aboutisse véritablement à des résultats très précis. Nous allons revenir dans un instant à vous. Nous allons rejoindre immédiatement Bertrand Aguirre à Jérusalem, notre correspondant à Jérusalem. Je voudrais rappeler que nous sommes en direct sur LCI après donc cette série d'attentats qui semblent se poursuivre actuellement contre les intérêts américains. Les deux tours du World Trade Center qui ont été rayés de la carte à la suite de crashs d'avions, d'attaques suicides, et puis aussi une bombe contre le département d'État, un avion contre le Pentagone, et peut-être, d'après les informations que nous venons d'avoir de l'autorité de l'aviation civile américaine, peut-être aussi des avions qui auraient été touchés par des terroristes, peut-être crashé d'ailleurs un avion près de Pittsburgh. Alors nous allons rejoindre Bertrand Aguirre, donc en direct de Jérusalem. Bertrand Aguirre, Arafat a condamné, Israël appelle à la mobilisation contre le terrorisme. Quelle est la situation, je dirais, à Jérusalem? Mais écoutez, pour revenir quelques heures auparavant, c'est vrai que le FDLP, le Front démocratique de libération de la Palestine, avait dans un coup de téléphone à une télévision d'Abu Dhabi, ici à Jérusalem, revendiqué cette série d'attentats. Une série de coups de téléphone pour vérifier ces informations ont pu prouver que cette revendication ne tenait pas debout. Cela dit, il est vrai qu'ici l'on prend la chose très au sérieux. Je pense que Ariel Sharon l'a fait savoir aux États-Unis. Il a proposé son aide, une aide symbolique mais aussi peut-être une aide un peu plus concrète grâce, on le disait tout à l'heure, à ses services de renseignement, aux services du Mossad. Israël a également ordonné l'évacuation immédiate de toutes ses représentations diplomatiques aux États-Unis à l'heure actuelle. C'est tout ce que l'on peut dire. À part cela, bien évidemment, en Cisjordanie, il y a eu quelques manifestations de joie. Au sud Liban, dans les camps de réfugiés palestiniens, il y a eu aussi quelques manifestations de joie. Mais pour l'instant, la situation est plutôt calme ici. Bertrand Aguirre, nous diffusions, en même temps que nous vous voyons nous vous écoutions à l'instant, nous diffusions des images de certaines cités palestiniennes, de certaines villes de Cisjordanie, où en effet, il y a eu des tirs de joie. Or, Arafat, lui, a condamné. Il y a un hiatus entre la position d'Arafat et puis son peuple. Non, je crois pas qu'il y ait d'hiatus. C'est tout simplement, je crois, pour un bon nombre de réfugiés palestiniens ou de palestiniens de West Bank qui vivent depuis un an dans une situation extrêmement pénible. Je crois qu'il y a là concrètement une sorte de symbole américain. On le disait aussi tout à l'heure, les États-Unis se désintéressent un petit peu du problème du Proche-Orient depuis quelques mois. Je crois que c'est plus une réaction spontanée de joie de voir finalement un petit peu ce symbole américain touché plus qu'autre chose. Alors, Bertrand Aguirre, merci. Nous vous retrouverons bien sûr tout au long de cette édition spéciale. Je vous rappelle que nous sommes donc en direct sur LCI. Marianne Cotonoff, d'autres informations qui nous parviennent et sur lesquelles il faut être prudent, car peut-être, oui, déjà nous les avons peut-être données au fur et à mesure, voilà, de cet après-midi. Tout à fait. American Airlines annonce effectivement la perte de deux avions transportant au total 156 personnes. Ce qu'on ignore actuellement, c'est s'il s'agit des avions qui se sont déjà encastrés sur les tours du World Trade Center ou sur le Pentagone. Pour le moment, nous l'ignorons. Nous savons en revanche qu'un avion détourné se dirigerait actuellement vers le Pentagone, et ça c'est une information qui nous vient du FBI. Alors, Marianne Cotonoff, nous allons aussi préciser une autre information qui nous est parvenue à l'instant, alors même que vous voyez sur notre antenne ces images en direct du World Trade Center, ou plutôt de la presqu'île de Manhattan, où les deux tours du World Trade Center ont été rasés de la carte. D'autres informations, d'autres précisions, en particulier alors même qu'à Chicago, on a évacué les buildings, on a évacué la bourse, Londres aussi où l'on a évacué la bourse, et bien à Bruxelles, le secrétaire général de l'OTAN, George Robertson, vient d'appeler le personnel qui n'est pas essentiel, en particulier le personnel qui n'est pas militaire par exemple, à quitter le bâtiment du quartier général de l'OTAN
à Bruxelles, le quartier général de l'Alliance Atlantique. Marianne Kotenoff. Oui, alors je voudrais revenir, Vincent Hervouet et vous, André Caspi, sur cette déclaration du journaliste arabe qui donc indique que le dissident saoudien Osama Ben Laden avait averti il y a quelques semaines seulement que des partisans déclencheraient, je cite, une attaque sans précédent contre les intérêts américains. Ben Laden se serait vanté auprès d'un journaliste arabe qui semble-t-il est crédible puisqu'il l'a déjà interviewé et qu'il est connu sur la place de Londres, qui est une grande capitale arabe pour la presse. Je vous rappelle que des responsables arabes, notamment le secrétaire général de la Ligue arabe, avaient avant l'été mis en garde les États-Unis, avaient sonné le tocsin et ils avaient d'ailleurs été entendus. On a notamment relevé la phrase de Moubarak, Hosni Moubarak, si les Américains ne poussent pas pour trouver une solution à la violence, cette violence pourrait très rapidement se transformer en terrorisme. C'est Moubarak qui le disait, donc le raïs égyptien, au début de l'été. Et on sait que depuis le début de l'été, il y a des mises en garde qui sont données par le département d'État. La semaine dernière encore, l'ambassadeur américain à Tokyo mettait en garde les militaires et les ressortissants américains contre des attentats qui étaient à venir en Asie. Et puis le 22 juin et le 18 juillet, il y a eu des avis de prudence mondiale, c'est dans le jargon du département d'État, des mises en garde. Donc on s'attendait, on redoutait des attentats. Politiquement, il semblait que les temps soient mûrs pour les attentats naissent, parce que le conflit au Proche-Orient, il faut le répéter, est dans l'impasse. C'est une impasse militaire, il n'y a aucune issue politique qui soit en vue. Et donc le terrorisme survient toujours dans cette troisième phase d'un conflit, au moment où il n'y a plus rien à attendre. Donc, attentat qu'il fallait redouter, que l'on pouvait redouter bien sûr quand on analysait la situation, ainsi que vous le dites Vincent Hervouet. Et puis donc, aujourd'hui, à partir de un petit peu avant 15h heure de Paris, cette série d'attentats est une situation totalement évolutive, puisque nous le disions à l'instant, les informations qui nous parviennent de la part de l'aviation civile américaine, mais aussi de l'ensemble des sources d'information des États-Unis, font état de nouvelles péripéties, de nouveaux attentats, semble-t-il, qui se déroulent actuellement. Les premiers blessés semblent aussi affluer à New York, dans les hôpitaux de la capitale économique des États-Unis. Pierre-Alexandre, vous êtes l'un des correspondants de LCI. Vous êtes en direct. Je crois que vous êtes avec à vos côtés des personnes qui ont vécu le drame presque au pied de la tour du World Trade Center, de ces anciennes tours. Eh bien, en effet, puisque, et ça c'est plutôt une nouvelle rassurante, dès le premier impact, eh bien la plupart des bureaux qui se trouvent autour du World Trade Center ont été évacués. Les gens sont partis à pied par les ponts et ont rejoint maintenant Brooklyn. Toute la circulation est fermée. Ce sont des masses de personnes qui évacuent encore cette zone. Donc il semblerait que l'évacuation ait été assez rapide dès le premier impact, en tout cas pour tout ce qui concerne le quartier autour du World Trade Center. Pour ce qui concerne les tours proprement dites, on n'a pas encore d'informations très très précises. Pierre-Alexandre, donc vous êtes en direct avec nous des États-Unis, avec Marianne Kotenoff, Vincent Hervouet, toute l'équipe de LCI qui est mobilisée, vous l'imaginez. Nous sommes depuis à peu près 2h30 maintenant en direct sur LCI, ainsi que vous pouvez le découvrir, ces images de la presqu'île de Manhattan, du sud de la presqu'île de Manhattan, le quartier financier, le quartier d'affaires, dans lequel les deux tours du World Trade Center, le symbole de la puissance économique américaine avec la bourse de Wall Street, ont été bel et bien rasés en début d'après-midi, un petit peu avant 15h, par le crash de deux avions qui ont été détournés et qui ont visé les tours du World Trade Center. L'American Airlines a d'ailleurs confirmé qu'elle avait perdu deux de ses appareils à bord desquels se trouvaient 156 personnes. Ces images que nous vous diffusons en direct, il s'agit pour la gauche de l'écran donc de la presqu'île de Manhattan qui est entourée de ce nuage de fumée et de cendres. Et puis à droite, toujours les images du Pentagone. Il s'agit du troisième attentat, une explosion, une bombe ou un troisième avion. Le Pentagone, le ministère de la Défense américain, l'état-major des forces armées américaines, où actuellement, vous le voyez, les secours interviennent. Marianne Kotenoff. Oui, juste une dernière information. Cette déclaration du djihad islamique donc, qui indique que les attentats survenus aux États-Unis sont la conséquence de la politique américaine, je cite, dans la région la plus chaude du monde. Alors restez sur LCI, nous sommes en direct depuis 15h. Dans quelques instants, cette édition spéciale avec Vincent Hervouet, les invités de LCI, nos correspondants à New York, Washington, Londres, dans l'ensemble des planètes et puis de la planète, pardon, sur l'ensemble de la planète et des capitales concernées. Paris, bien sûr, Matignon, la présidence de la République où le président Jacques Chirac a décidé de tenir un conseil restreint. Édition spéciale sur LCI, la suite dans un instant.
Retrouvez les infos de LCI sur votre téléphone mobile. Pour en savoir plus, www.lci.fr. L'actualité de cette journée. LCI, toute l'actualité tient en trois lettres. Terrafort, un programme 25 jours qui vous aide à perdre quelques centimètres de tour de taille après les repas et vous permet de rentrer le ventre. Nouvelle formule Terrafort, disponible chez votre pharmacien. Huile d'olive carapélie, fruitée, lumineuse, subtile, mélodieuse, délicate, italienne. Huile d'olive carapélie, tout en elle chante l'Italie. Sur l'assassinat. Il a été vu aussi mis en examen. LCI, toute l'actualité tient en trois lettres. L'information sur LCI, c'est 24 heures sur 24. Terrafort, un programme 25 jours qui vous aide à perdre quelques centimètres de tour de taille après les repas et vous permet de rentrer le ventre. Nouvelle formule Terrafort, disponible chez votre pharmacien. Une tragédie qui frappe l'Amérique et le monde occidental, touché en plein cœur. Édition spéciale depuis 15h cet après-midi sur LCI, après cette série d'attentats extraordinairement meurtriers qui ont touché New York et Washington, d'autres points également des États-Unis. Deux explosions au World Trade Center. Ce matin, nous allons y revenir très longuement. Le World Trade Center n'existe plus, il a été rayé de la carte. 40 000 personnes travaillent habituellement dans ce bâtiment. Un nombre terrifiant de victimes, disait il y a quelques instants le maire de New York, Rudolph Giuliani. Cette série d'attentats complétée, si j'ose dire, par une explosion tout à fait spectaculaire au Pentagone, c'était quelques instants après les premières opérations meurtrières au World Trade Center. Le président Bush parle bien sûr de tragédie nationale. On imagine la panique qui se poursuit bien sûr ce soir à New York et aux États-Unis. On revient sur les faits. Nous restons bien sûr en direct avec les États-Unis tout au long de cette soirée. On revient d'abord sur les faits. Comment tout cela a commencé? C'est Géraldine Ponce. Il est 9h ce matin, heure locale à New York. Alors que des milliers de personnes commencent à peine leur journée dans les bureaux du World Trade Center, un avion de ligne s'écrase sur l'une des deux tours. L'explosion est impressionnante. Le bâtiment de 110 étages est touché aux deux tiers. Il est en flammes. La police new-yorkaise a à peine le temps d'évacuer les environs qu'un second appareil s'encastre alors 18 minutes plus tard dans l'autre tour cette fois-ci. D'importants nuages de fumée s'échappent des deux bâtiments. Dans la précipitation, les ambulanciers tentent d'évacuer les 40 000 employés. Mais le temps est compté. Les deux tours en flammes menacent de s'effondrer. Quelques instants plus tard d'ailleurs, la première tour explose dans un immense nuage de poussière et s'écroule au sol. C'est alors que la seconde tour s'effondre à son tour un peu plus tard. Malgré le périmètre de sécurité, les dégâts sont immenses. Image d'apocalypse dans les rues de New York, c'est la panique. Les blessés sont évacués, tout comme les passants en proie à des crises d'hystérie. Les autres s'enfuient en criant, le chaos est total. Le FBI parle d'attentat. Le Front de libération de la Palestine aurait revendiqué les deux attaques. Information finalement démentie par un responsable du groupe. Le président Bush en déplacement en Floride a immédiatement commenté ce drame. Il parle de tragédie nationale dont les auteurs seront traqués. Et la folie terroriste ne s'arrête malheureusement pas là. Dans l'heure qui suit, un troisième avion s'écrase sur le Pentagone en plein cœur de Washington. Le département d'État est en feu, à son tour soufflé par l'explosion d'une voiture piégée.
Par crainte de nouvelles attaques, la Maison-Blanche ainsi que le siège de l'ONU à New York sont évacués. Et dans la foulée, on apprend qu'un Boeing 747 qui assurait la liaison Chicago-New York s'écrase en Pennsylvanie. Les autorités américaines sont débordées et annoncent dans un premier temps la suspension de tous ces vols commerciaux jusqu'à nouvel ordre. Ils seront détournés vers le Canada. Les deux premiers avions qui s'étaient en effet écrasés étaient des appareils d'United Airlines et American Airlines en provenance de Boston. Les deux avions ont été détournés en vol. Quatre avions détournés, dont effectivement ces deux appareils d'American Airlines, Géraldine Pons vient de vous le dire. Comment est-ce possible ce scénario totalement inouï, totalement incroyable? Avant de rentrer dans le détail et de tenter une série d'explications avec nos invités et nos correspondants, je vous propose d'écouter quelques témoignages de ceux qui ont vécu cette tragédie ce matin dans ces immeubles de New York. J'étais en train de secourir des gens lorsque nous avons entendu une énorme explosion. Tout d'un coup, tout est devenu noir, des bris de verre nous tombaient dessus, blessant les gens en dessous. Tout était très sombre et épais, c'était comme de la neige, mais en fait c'était des morceaux de l'immeuble qui nous tombaient sur la tête. C'était un véritable cauchemar. J'étais au coin de la 6e avenue et de la rue d'Hudson en train de téléphoner. En levant la tête, j'ai vu une explosion. Autour de moi, les gens étaient en train de pleurer, certains allongés sur le sol. Dans le ciel, la tour était en train de s'écrouler dans un nuage noir. En une seconde, c'était plein de fumée, de poussière, et il ne restait plus qu'une seule tour. Alors les opérations de sauvetage, évidemment, tout à fait spectaculaires, tout à fait difficiles. Je rappelle que 40 000 personnes travaillent dans ces deux tours du World Trade Center, travaillaient puisque ces tours n'existent plus ce soir. Opérations de sauvetage qui nous seront décrites dans quelques instants par Pierre-Alexandre, qui sera en direct avec nous de New York. Je vous propose de revenir sur les réactions qui ont été aussi très rapides d'hommes politiques. Toute la planète a réagi et on le comprend. D'abord le président Bush qui était en Floride. Aujourd'hui, nous avons eu une tragédie. Deux avions se sont écrasés contre le World Trade Center dans une apparente attaque terroriste. J'ai parlé au vice-président, j'ai parlé au gouverneur de New York, avec le directeur du FBI, et nous avons mis toutes les ressources du gouvernement sur cette enquête pour aider évidemment les victimes de cette attaque et pour mettre en route une enquête globale pour trouver ceux qui ont fait cet acte. Le terrorisme contre notre nation ne sera pas accepté. Et maintenant, si vous voulez bien, vous allez vous joindre à une minute de silence avec moi. Ok. Voilà donc le président Bush qui réagissait quelques heures à peine après cette série d'attentats tout à fait inouïs. Nathalie Renoux, évidemment les dépêches s'accumulent et les informations tombent de minute en minute. Une dernière information, United Airlines, la compagnie américaine, interrompt tous ses vols dans le monde entier. C'est ce qui vient d'être annoncé. Le FBI et le service des renseignements américains a confirmé quelques minutes auparavant que 4 avions ont bien été détournés aujourd'hui. 2 avions de la compagnie américaine American Airlines et 1 avion de la compagnie United Airlines. Nicole Bacharan, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes franco-américaine, oui, vous êtes touchée au cœur. Je suis absolument bouleversée, je ne crois pas que je puisse dire des choses, des analyses qui vont percuter et vous révéler. C'est terrible, c'est absolument terrible de voir New York, cette ville qui est chez moi, et de voir le World Trade Center qui a disparu, et je ne sais pas combien il y a de dizaines de milliers de morts là-dedans. Les lignes de téléphone, je peux vous le dire, sont absolument surchargées. Personne n'arrive à joindre sa famille. Rudy Giuliani, le maire, a demandé à tout le monde, si vous êtes à l'intérieur de votre maison, de votre entreprise, restez chez vous. Si vous êtes dans la rue, partez vers le nord. On craint que ça saute encore ailleurs. C'est un acte de guerre absolument terrifiant. On a le sentiment qu'évidemment, le contrôle de l'espace aérien américain a été totalement perdu depuis le début de la matinée par les autorités américaines. Vous savez, cet attentat, c'est même pas un chantage, hein. C'est un acte de guerre, effectivement. C'est une sorte de Pearl Harbor terroriste, c'est-à-dire que c'est une attaque par surprise, massive, avec différents commandos, donc on en est au moins à 5 ou 6 commandos différents, avec des kamikazes, qui s'attaquent à tous les symboles de la puissance américaine, le World Trade Center, le centre de commerce mondial, Manhattan, l'argent, qui s'attaquent
Au Pentagone, qui aurait imaginé que le Pentagone ne soit pas protégé par des missiles air-sol contre une attaque d'un avion qui s'attaque aussi au département d'État, donc tous les, c'est-à-dire la politique étrangère américaine, c'est que tous les symboles de l'hyperpuissance sont aujourd'hui à bas, c'est pour ça que l'on tire des tirs de joie dans les camps palestiniens du sud Liban, et c'est pour ça que le monde entier est stupéfait et qu'on a ces mouvements de panique, aussi bien la Bourse de Londres que les gouvernements occidentaux qui se rassemblent, qui se réunissent en une sorte de commission. De comité d'urgence, c'est un acte absolument inouï. Il faut ajouter à cela que l'Amérique n'a pas été, contrairement à nos pays européens, souvent frappée par le terrorisme moyen-oriental, ou le terrorisme, à part le World Trade Center qui avait déjà été visé en 1995, et puis Oklahoma City qui est un attentat américain, fait par un Américain contre la puissance fédérale, l'Amérique a toujours été à l'abri du terrorisme, sur son sol en tout cas. Alors on va voir en image les réactions dans les camps palestiniens, c'était il y a quelques instants, et puis entendre aussi la réaction de Yasser Arafat. Nous verrons que, évidemment, dans le camp arabe, on a entendu un certain nombre de réactions, de revendications même, sur lesquelles nous allons revenir dans un instant. Voici donc les images de ces scènes de joie dans les camps palestiniens. Quelle horreur, dites-vous, Nicole Baccarin. Yasser Arafat, le président de l'autorité palestinienne, a évidemment réagi très rapidement lui aussi. À Naplouse, d'ailleurs, 2000 Palestiniens ont manifesté leur joie après ces attentats perpétrés aux États-Unis. Ils ont tiré en l'air, ils ont chanté des slogans à la gloire du terroriste Oussama Ben Laden. Voilà. 2000 Palestiniens, on écoute Yasser Arafat. D'abord, je voudrais présenter mes condoléances et celles du peuple palestinien au président américain, le président Bush, à son gouvernement, au peuple américain, pour cet acte terrible. Nous sommes complètement en état de choc. C'est incroyable. Unbelievable. Un mot de réaction à ce que vous venez d'entendre. Il y a une première chose à noter, c'est que Arafat s'exprime en anglais et non pas en arabe. C'est-à-dire qu'il ne s'adresse pas à l'opinion palestinienne, il s'adresse au chef d'État étranger. Deuxième chose, ce qu'il dit, c'est la compassion. Il ne dit pas « on vous l'avait bien dit ». Ça pose la question de la politique américaine au Proche-Orient. Il va beaucoup moins loin, par exemple, que ce qu'a dit Hubert Védrine, notre ministre des Affaires étrangères, qui a dit que dans un deuxième temps, quand on n'en saurait plus cet attentat, il faudrait réfléchir aux façons d'éradiquer les causes du terrorisme. C'est-à-dire la question politique. Il y a l'enquête policière, évidemment, mais aussi la question politique. Or, depuis le début de l'été, tous les leaders arabes, que ce soit la Ligue arabe, que ce soit Hosni Moubarak, que ce soit tous même les amis, les affidés des États-Unis, tous les gouvernements qui sont tenus, soutenus par les Américains, disent attention, attention, le terrorisme, ça vient droit sur nous, on ne va pas y échapper. Ce qu'on peut ajouter à ce que vient de dire Vincent, c'est que le terrorisme a toujours des conséquences assez simples, et dans l'immédiat, ce sera de radicaliser l'ensemble des États-Unis derrière Israël. Oui. Donc vous avez d'un côté la volonté de certains Palestiniens, ce qui peut être leur intérêt ou non, mais vous avez aussi le résultat pratique qui sera directement opposé à ce qu'ils cherchent à atteindre. Et c'est toujours la pratique et les conséquences du terrorisme. On est en ligne avec Jean-Paul Chagnolot, spécialiste du Proche-Orient. Bonsoir. Bonsoir. Comment est-ce qu'on peut imaginer l'organisation, la préméditation d'une opération historique? Ça ne s'est jamais vu, une opération aussi spectaculaire et aussi meurtrière. Je crois que beaucoup de choses ont déjà été dites. Il me semble qu'il faut, en ce qui concerne les origines, à la fois déconnecter cet apocalypse tragique du conflit du Proche-Orient et en même temps, bien entendu, le lier. Je crois qu'il faut déconnecter en ce sens que je ne crois pas du tout que ça puisse être une organisation palestinienne comme le FPLP, comme les premières agences ont pu le dire. Pendant que vous parlez, je précise que l'on voit en direct les images, ce que l'on voyait en direct, c'était les images de l'intérieur du World Trade Center, donc au moment, quelques minutes après l'explosion, au moment où les secours intervenaient. Allez-y, Jean-Paul Chagnolot. Oui, donc je disais que c'était déconnecté au sens où je n'imagine pas le FPLP, qui est une petite organisation, avoir les moyens qui sont absolument colossaux pour une telle affaire.
Et je crois aussi, comme ça a été évoqué tout à l'heure, je pense que pour Yasser Arafat et les Palestiniens, d'une certaine manière, c'est une catastrophe politique. C'est une catastrophe politique parce que il est clair qu'il y aura radicalisation du point de vue des Américains vont se radicaliser derrière Israël, comme ça a été très justement dit tout à l'heure. Donc je crois que c'est tout à fait tragique pour les Palestiniens aussi. Maintenant, ce qui est dramatique, c'est que un certain nombre de Palestiniens, on l'a vu dans les camps ou ailleurs, se réjouissent parce que c'est vrai, depuis des mois et des mois, il y avait un sentiment anti-américain qui confinait parfois à la haine. Et c'est un terreau sur lequel un certain nombre d'acteurs très organisés, alors on a cité évidemment Oussama Ben Laden, on verra ce qu'il en est par la suite, sur ce terreau, ils ont conduit ce genre d'attaque qui est quelque chose qui est sans commune mesure avec ce qui a pu se passer dans le passé. Je crois que la politique américaine au Proche-Orient a voulu ne pas être concernée par ce qui se passait. Il y a eu effectivement beaucoup d'hommes politiques, de chefs d'État arabes qui ont prévenu les Américains qu'il fallait absolument apaiser les tensions, sinon ça allait monter en puissance. Et là, on arrive à quelque chose que personne ne pouvait imaginer. Le pire des scénarios terroristes ne pouvaient pas imaginer une telle situation apocalyptique. Oui, Vincent Herouet, vous avez une question à poser à Jean-Paul Chenillot. Non, moi, vous savez, ce que j'essaie de comprendre, c'est quel est l'objectif des terroristes qui ont pu monter une telle opération. On cherche à déstabiliser, en général, quand on fait un attentat, à déstabiliser l'ennemi. Ou alors c'est un chantage. Là, c'est pas un chantage, c'est un acte de guerre. Quel est, à votre avis, l'intérêt que poursuivent les islamistes, si ce sont eux, qui ont monté cette opération? Franchement, pour pouvoir répondre à une telle question, il faudra en savoir plus aujourd'hui. Moi, il me semble que ça ne peut pas être, comme je disais, des organisations palestiniennes qui n'ont pas intérêt à faire une chose pareille. Donc, effectivement, ça peut être les islamistes, peut-être Oussama Ben Laden. À l'instant, Jean-Paul Chenillot, oui, les talibans, par la voix de leur ambassadeur au Pakistan, condamnent ces attentats aux États-Unis. Oui, donc je crois qu'il faut savoir, la logique du terrorisme, effectivement, c'est soit une logique d'affirmation pour essayer de se faire entendre, comme ça a été le cas des Palestiniens dans les années 70, soit c'est une logique de chantage, soit c'est encore une logique de déstabilisation. Mais là, ces trois critères, enfin ces trois types de logique n'entrent pas en ligne de compte. On a l'impression d'une espèce de vengeance pure et simple. On a l'impression que c'était des actions qui étaient faites pour tuer au cœur même de l'Empire américain, sans réfléchir véritablement à tous les effets pervers qu'il va y avoir. Et je pense que parmi les effets pervers terribles, ça sera au Proche-Orient. Et c'est en ce sens que là, il y a évidemment un lien avec ce qui se passe sur le terrain en Israël et en Palestine. Restez avec nous si vous le pouvez, Jean-Paul Chenillot. Nicole Baccarin, comment peut réagir l'opinion américaine? L'opinion américaine, elle réagit comme moi. Elle réagit comme moi, c'est-à-dire l'horreur, le choc finalement pour des gens qui se sentent quand même les plus forts du monde, quand même à l'abri. Oui, c'est triste ce qu'on voit au Proche-Orient, oui, c'est triste ce qu'on voit dans d'autres parties du monde, mais ça ne vous empêche pas d'aller travailler le matin et de mener votre vie parce que vous êtes du bon côté de la barrière et tout d'un coup vous basculez du mauvais côté de la barrière, celui où vos proches peuvent être tués, celui où vous n'avez plus aucune sécurité, vous avez peur de sortir de chez vous. Oui. On est en ligne de New York avec Pierre-Alexandre et un témoin, je pense, de cette tragédie, quelqu'un qui a vécu... Jean-François, je vais vous passer effectivement à mes côtés un témoin qui a vécu cette matinée de tragédie ici, puisque son bureau se trouvait à quelques mètres seulement du World Trade Center. Vous allez pouvoir lui poser les questions que vous souhaitez. Bonsoir. Hello. Est-ce que vous alliez travailler? Qu'est-ce que vous avez vécu ce matin? Comment les choses se sont-elles passées pour vous? Qu'avez-vous vu? Je me trouvais dans le bâtiment de l'autre côté de la rue, en fait, et nous avons entendu un bruit, parce qu'en fait, l'avion est passé très très près de l'endroit où je travaillais, donc tout le monde s'est demandé ce que c'était que ce bruit. On s'est demandé si c'était un avion, et puis ensuite on a entendu un boom. Et tous les débris ont commencé à sortir, à voler à partir du World Trade Center. Donc nous avons évacué notre bâtiment et puis nous sommes descendus dans le hall. Et quand nous descendions, nous avons entendu un autre boom, une autre explosion. Et c'est à ce moment-là que l'une des portes du hall a explosé. Donc il y avait à ce moment-là énormément de gens.
Puis, lorsque l'on a entendu la seconde explosion, lorsque la seconde explosion s'est terminée, il y a eu de la fumée, il y a eu à nouveau des débris dans la rue, parce que, comme je vous le disais, je me trouve entre Church et Broadway. Et Broadway et Liberté, c'est là où se trouve le World Trade Center. Donc, j'étais dans le hall au moment de la deuxième explosion, et ces deux explosions, on les a vraiment senties parce que le bâtiment s'est mis à trembler. Donc, nous sommes sortis, il faisait très très chaud, il y avait beaucoup de fumée, on pouvait voir des débris qui volaient dans l'air, il y avait du verre partout, des morceaux partout, les gens étaient couverts de poussière. Moi, je regardais ce qui se passait. J'ai regardé du côté du South Sea Ferry et du marché aux poissons qui étaient couverts de débris, qui étaient tout gris. Et puis, si on regardait, on voyait de la fumée qui sortait du premier bâtiment qui était touché. Alors, j'ai commencé à aller en direction de Chinatown parce que tous les bâtiments de Manhattan ont été évacués. Et on voyait partout des gens dans la rue. Et on a entendu comme quelque chose qui s'éboulait. Et on regardait autour de soi et on voyait de la fumée partout. Parce que les bâtiments touchés ont commencé à s'effondrer. Et puis, tout ça se passait à 300 mètres de moi. J'étais avec deux autres personnes. Nous avons commencé à courir parce que nous n'avons pas voulu être prises au piège. À ce moment-là, j'ai vu le deuxième bâtiment, celui qui avait été touché le premier, qui a commencé à s'effondrer. Les gens, en fait, ne faisaient que traverser les ponts. Ils se dirigeaient vers FDR Ride, vers le pont de Manhattan, et moi, j'étais sur le pont de Manhattan. Et sur le pont de Manhattan, j'ai vu ce bâtiment qui commençait à s'effondrer. Le premier bâtiment touché, il est encore intact en partie, parce que c'est le premier avion a touché le premier bâtiment beaucoup plus en hauteur. Le second avion a touché le second bâtiment à peu près à mi-hauteur, raison pour laquelle ce bâtiment s'est complètement effondré. Donc j'ai eu la chance de pouvoir sortir. Voilà, là on revoit effectivement ce qui s'est passé. Il était environ 9h ce matin, heure new-yorkaise. Nicole Bacharan, est-ce que vous pouvez nous situer un petit peu les lieux, pour ceux qui ne sont jamais allés à New York, ce que représentaient ces deux tours? Je dis bien représentaient, puisqu'elles n'existent plus, elles ont été rayées de la carte, elles se sont effondrées. À New York, vous avez 5 bourgs. Le principal, c'est Manhattan. Manhattan, c'est une presqu'île qui a cette allure-là, une presqu'île allongée. Et les deux tours jumelles du World Trade Center sont les plus hautes, les plus hauts gratte-ciel de New York. Ils sont tout au sud de l'île. Donc quand vous arrivez, quand vous prenez votre voiture, que vous arrivez de l'aéroport, c'est ce que vous voyez. C'est le point culminant de ce qu'on appelle la skyline, la ligne des gratte-ciel de New York. C'est le symbole absolu de cette ville. Et c'est effectivement le lieu de plus grand rassemblement dans des locaux de bureaux. Vous avez, on a dit, je crois, 40 000 personnes. Donc c'est à la fois le symbole de la ville, le symbole de la puissance américaine et le meilleur moyen de tuer un maximum de gens. C'est un acte de haine pure. Parce qu'on imagine évidemment la difficulté des secours pour approcher, pour s'organiser dans ces scènes avec ces scènes oui. de panique. En plus, c'est des toutes petites rues. On n'imagine pas que ce soit du tout genre périphérique. C'est des petites rues anciennes, entrelacées. Les gens accèdent par des parkings très profonds sur plusieurs niveaux. C'est très très difficile. Je n'arrive pas à imaginer à quoi ça ressemble d'ailleurs. Avant de rejoindre, merci Nicole Bacharan. Avant de rejoindre Roland Jacquard, spécialiste du terrorisme qui est aux États-Unis, Nathalie Renoux, d'autres informations? Deux dernières informations. La compagnie American Airlines confirme avoir perdu deux appareils avec au total 156 personnes à bord. Et la compagnie United Airlines confirme qu'un de ses appareils s'est écrasé en Pennsylvanie et se déclare très préoccupé sur le sort d'un autre avion. Enfin, sachez que les États-Unis ont fermé la frontière avec le Mexique par mesure de précaution. Et le secrétaire d'État américain Colin Powell, qui était en visite à Lima, rentre d'urgence aux États-Unis, bien entendu. Roland Jacquard est en direct avec nous des États-Unis. Bonsoir. Oui, bonsoir. Vous travaillez beaucoup sur le terrorisme, vous connaissez très bien ces questions. Est-ce que vous avez un jour imaginé une opération de cette ampleur? Une opération de cette ampleur a été imaginée dans des romans, voire dans des films catastrophes. Mais apparemment, elle n'avait jamais été planifiée par les groupes antiterroristes, car il s'agit d'une opération de guerre, d'un acte véritablement militaire, d'un Pearl Harbor terrorisme. Car coordonner toutes ces opérations sur le territoire américain, qui est quand même très protégé, en moins d'une heure, suppose des complicités à très fort niveau, et suppose aussi un commandement militaire de planification de ces actes. C'est pour ça que moi, je pense que c'est une opération de service qui ressemble à un terrorisme d'État, sans accuser personne, mais qui a probablement donné
ses moyens militaires, ses moyens de services de renseignement, ses moyens techniques à des groupes terroristes kamikazes qui ont opéré sur place et qui ont probablement été installés là depuis un certain temps. C'est une opération qui a été planifiée en tout cas très fortement et très longtemps à l'avance. Vous voulez dire qu'un État terroriste aurait pu prêter ses hommes, ses soldats en quelque sorte à un groupuscule terroriste? Oui, ce n'est pas une organisation islamiste palestinienne, une organisation islamiste afghane qui est capable de monter une opération de ce genre. Une seule, oui, mais trois non, avec le Pentagone, avec, d'après ce que l'on sait, une autre opération qui avait été planifiée sur la Maison Blanche, avec probablement d'autres attentats qui étaient prévus que nous ne connaissons pas encore. Bien, c'est une opération de type militaire avec des gens qui ont fait des repérages pendant de nombreux mois, avec des gens qui ont bénéficié de complicité, qui ont étudié sur maquette ce genre d'opération. Je vous interromps, Roland Jacquard, je vous interromps parce que nous sommes en ligne avec le responsable de l'aéroport de Boston. Alors Boston, c'est la ville d'où un Boeing B-757, donc qui assurait la liaison avec Los Angeles, a été détourné. Bonsoir. Non. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous avez pu recueillir comme information à Boston en ce milieu de journée pour ce qui concerne ces détournements d'avions? I can't discuss any of the security things we have in place. Thank you. Déclaration en direct. Là. Voilà. We should have more information by then, and we're going to make it available to all of you. Thank you very much. Voilà. Alors, on va revenir. Est-ce que Roland Jacquard est toujours avec nous? Oui. Oui, Vincent, vous vouliez poser une question à Roland Jacquard. Non, ce que dire que j'écoutais ce que disait Roland Jacquard, à savoir qu'il envisageait immédiatement l'implication d'un service secret vu l'organisation quasi-militaire de cette opération, de ce Pearl Harbor terroriste. Tout le monde pense, depuis le début de l'après-midi, à la capacité opérationnelle, à la seule organisation terroriste qui soit capable de monter un coup pareil. Et on pense bien évidemment à l'ennemi public des Américains, à Ben Laden. Qu'est-ce qui, à votre avis, exclut que ce soit ce milliardaire saoudien dont il faut rappeler qu'il aurait 5000 hommes à sa dévotion, une douzaine de camps d'entraînement, des ramifications dans une cinquantaine de pays et dont on a trouvé la trace dans les attentats précédents, notamment contre le World Trade Center? Qu'est-ce qui exclut pour vous cette hypothèse? Je n'exclus pas du tout cette hypothèse. Je dis qu'il y a eu fortement une complicité entre l'organisation Ben Laden, des kamikazes qui ont été recrutés probablement soit dans ces camps, soit dans des camps favorables à Hamas, vu la situation qui règne aujourd'hui au Moyen-Orient, mais que tout ça a été planifié avec d'autres personnes. Parce que, vous savez, Ben Laden, il est quand même isolé dans ses montagnes en Afghanistan, même si c'est l'ennemi public numéro un. Et il a des difficultés même de transmission, il n'a plus de téléphone satellite, il est dans des difficultés quand même internes importantes avec des groupes islamistes autour de lui qui lui reprochaient de ne rien faire contre le gouvernement égyptien. Ça, c'était les islamistes égyptiens, les Algériens qui lui reprochaient de ne rien faire en Algérie. Roland Jacquard, on va vous retrouver un petit peu plus tard parce que nous avons évidemment des priorités. Vous vouliez dire un mot, Nicole Vaccarone? Oui, je pense deux choses. D'abord, on ne sait pas qui est responsable à l'heure actuelle et on est tous en train d'élaborer des hypothèses et c'est bien naturel. Tout ce qu'on peut dire, c'est que ce sont des gens qui ont énormément de moyens et une mentalité de kamikaze. Une mentalité de kamikaze, ça veut dire des gens qui sont prêts à mourir. À mourir pourquoi? Parce qu'ils défendent une cause sainte. Être un kamikaze, c'est bien simple, c'est que vous foncez dans le mur, vous mourrez parce que après vous avez le paradis, le ciel ou Dieu sait quoi. Où est-ce qu'on voit cette mentalité à l'heure actuelle? Au Proche-Orient. Donc le lien est évident. Il y a à la fois beaucoup d'argent, de gros moyens et un lien avec le Proche-Orient. Et je crois qu'on ne sait tout simplement pas qui, à l'heure actuelle, a fait commandité, organisé. Alors les réactions ont été innombrables sur le plan politique, bien évidemment. Tous les responsables de l'Union européenne se sont exprimés. Nous avons entendu le président des États-Unis, George Bush, il y a quelques instants. Je vous propose d'écouter Jacques Chirac qui a interrompu sa visite en Bretagne cet après-midi, donc dès qu'il a eu connaissance de cette tragédie. C'est en effet avec une immense émotion que la France vient d'apprendre ces attentats monstrueux, il n'y a pas d'autre mot, qui viennent de frapper les États-Unis d'Amérique. Et dans ces circonstances effroyables, le peuple français, je tiens à le dire ici, tout entier,
est aux côtés du peuple américain. Il lui exprime son amitié et sa solidarité dans cette tragédie. J'assure naturellement le président George Bush de mon soutien total. La France, vous le savez, a toujours condamné et condamne sans réserve le terrorisme et considère qu'il faut lutter contre le terrorisme par tous les moyens. C'est évidemment une nouvelle tragique qui nous a tous frappés cet après-midi. Ce sont des attentats d'une violence et d'une gravité sans précédent qui ont frappé le World Trade Center, le Pentagone, sans doute d'autres lieux dans des grandes villes américaines. Mon premier sentiment est celui d'une émotion profonde, de l'horreur aussi pour cette violence inacceptable, des pensées d'émotion à l'égard des victimes, de leurs familles, et l'expression d'une solidarité profonde à l'égard du peuple américain. Voilà, Lionel Jospin, donc, c'était quelques minutes avant que ne se tienne au Palais de l'Élysée un conseil restreint avec les principaux ministres concernés par les questions de sécurité. Les toutes dernières nouvelles. Les toutes dernières nouvelles. La France vient de déclencher le plan Vigipirate renforcé. C'est ce qu'annonce le ministre de l'Intérieur, Daniel Vaillant, à l'instant.